Vous écoutez Radio IC maintenant sur 95.2 FM et RNT Radio Numérique Terrestre canal 9A et également sur internet dans le monde entier icetmaintenant.com. Chaque dernier samedi du mois dès 23h, David Abbassi, écrivain et historien, est avec vous. Vous pouvez vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes le samedi soir. Samedi quoi? Samedi 26 du mois de novembre. Il ne reste qu'un mois pour terminer l'année 2016. Alors j'ai le plaisir ce soir de recevoir notre ami un syndicaliste, quelqu'un qui depuis des années, il se bat pour défendre les travailleurs dans un cadre républicain et bien sûr laïque. Et Rémi Offray, bonsoir, comment allez-vous? Ça va, vous allez bien? Le microphone, vous pouvez l'approcher un peu? Oui? Oui. D'accord, je crois que juste au départ de notre émission, nous avons un petit problème de microphone qu'on va le régler tout de suite. Bonsoir Rémi, comment ça va? Très bien. Tu vas bien? Alors tu peux commencer à parler en attendant qu'on est en train de régler notre microphone, voilà. Tout va très bien, pas tout à fait, depuis que nous nous sommes vus sur IC et maintenant, il y a environ deux ans et demi, l'actualité nationale, européenne et internationale a été particulièrement bousculée. C'est vrai. Attends, on va régler le microphone, s'il te plaît, tu peux continuer à parler un peu, s'il te plaît. J'espère qu'on aura quelques auditeurs et auditrices qui nous contacteront en cette début de nuit, en ce début de nuit sur ici et maintenant, 95.2 sur la bande FM sur Paris, pour qu'on puisse échanger justement sur ces sujets politiques et sociaux très grave que l'on connaît aujourd'hui avec des motifs de crainte, de colère, mais aussi d'espoir. Et c'est bien ton émission, David, qui permet de parler sans tabou de certains sujets qui préoccupent tous les citoyens. Merci Rémi. Alors Rémi, puisque tu es syndicaliste, on va parler des syndicats, des problèmes de pauvreté en France, bien sûr, les problèmes que les travailleurs rencontrent. Et jour après jour, ça aggrave, malheureusement. Alors, mais si tu veux bien, j'aimerais bien qu'au départ, tu nous donnes un peu plus d'informations concernant les syndicats en France, puisque tu sais, une majorité de travailleurs qui doivent être syndicalisés,
ils ne sont pas s'inscrits, n'est-ce pas? C'est un des problèmes déjà, n'est-ce pas? Et deuxièmement, ils ne connaissent pas bien leurs droits, les travailleurs. Et de l'autre côté, il y a énormément de problèmes que toi, pendant ta vie, tu as rencontré en défendant les travailleurs. Déjà, combien de pourcents des travailleurs sont syndicalisés? Alors, on estime en France à peu près qu'il y a 8% sur le nombre de salariés global de syndiqués en France. Alors, la France a plusieurs confédérations syndicales qui regroupent différentes fédérations professionnelles au sein de chaque confédération. Et c'est vrai qu'en France, nous avons un syndicalisme que je qualifierais, moi, d'engagement. Puisque quand parfois certains critiques du syndicalisme français s'emploient à dire qu'il y a une grande faiblesse dans la syndicalisation en France, ils oublient d'indiquer que dans certains pays, non seulement le syndicat est unique, mais aussi qu'il est strictement indispensable de disposer d'une carte syndicale pour bénéficier des informations liées à l'assurance chômage et à des droits essentiels qui en France sont assurés à la fois par les conventions collectives et par le Code du travail notamment. Donc en France, le fait que ce syndicalisme soit un syndicalisme d'adhésion et d'engagement, eh bien, ne favorise pas toujours la pleine adhésion de l'ensemble des salariés, contrairement en Belgique où 80% des salariés sont syndiqués, et évidemment dans les pays nordiques, Finlande, Norvège, Suède et Danemark. En Allemagne, il y a à peu près 35 à 40% de salariés syndiqués, et en France, 8%. Mais il y a eu deux époques en France, dans notre pays, où il y a eu un très grand nombre de salariés syndiqués. Ce n'est pas étonnant. C'est en 1936 et en 1968, où là, il y a eu un enthousiasme massif pour l'engagement syndical. Mais pour le reste, nous avons toujours évolué globalement entre 8 et 15-16% dans les meilleures années. Combien de syndicats nous avons en tout? Alors nous avons au moins 5 confédérations syndicales. Ta question est paradoxalement relativement difficile puisqu'il y a des syndicats catégoriels, il y a des syndicats confédérés. Les grandes confédérations sont la CGT, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, et puis il y a des syndicats type solidaire, ainsi que l'UNSA notamment, donc qui regroupe certaines catégories de salariés. Donc on peut dire qu'il y a 6 grandes organisations en France. Mais évidemment, tous les syndicats ne sont pas représentés dans toutes les grandes entreprises. L'implantation est très diverse, à vrai dire. 6 syndicats en tout. Alors, puisque surtout on a au départ de l'émission, Rémi, on va donner un petit peu de leçon aux gens qui nous écoutent. 6 syndicats, confédérations, et tendance, c'est quoi exactement? Combien, tendance gauche, droite et... Alors, c'est à l'image du syndicalisme d'engagement dont je parlais il y a un instant. Les syndicats ont une certaine empreinte idéologique, forcément, parce que la naissance des syndicats en 1895, à partir de la création de la CGT et avant avec les bourses du travail, eh bien, ont évidemment été influencés par le mouvement progressiste ouvrier, classé clairement à gauche. Puis il y a eu la création du syndicalisme chrétien en 1919, suite d'ailleurs à une encyclique papale Vatican Rerum Novarum. Et donc on peut dire qu'il y a 2-3 grandes tendances idéologiques au niveau des syndicats français, avec une tendance plutôt communisante où on peut retrouver bien sûr la CGT d'aujourd'hui, mais qui ne l'était pas avant 1948, une tendance social-démocrate plus ou moins chrétienne comme l'est la CFDT, et une tendance plus ou moins anarcho-syndicaliste avec Solidaires et Sud, et une tendance qui n'est pas particulièrement idéologique, qui est le syndicalisme spécialisé dans l'encadrement, et le syndicalisme qui est né de certaines scissions, comme par exemple l'UNSA.
Donc voilà, il y a plusieurs tendances dans le monde syndical. Chaque salarié peut s'y retrouver. En général, depuis quelques décennies, les grandes organisations syndicales, bien sûr, se proclament à peu près toutes indépendantes d'un parti politique. Mais il est vrai que dans les faits, parfois, certains syndicalistes continuent de temps à autre à être un petit peu courroie de transmission du parti politique. Mais on peut dire globalement que le monde syndical français est suffisamment pluriel pour attirer chaque salarié de notre pays. Bien entendu, il est souvent plus difficile de se syndiquer dans les petites et moyennes entreprises parce que, tout simplement, le petit patronat et le moyen patronat voient d'un très mauvais œil le fait d'être syndiqué. Il y a encore une image très négative de la part des patrons et c'est vrai qu'ils considèrent, malheureusement d'ailleurs, que le syndicalisme est un outil de ralentissement dans la croissance de l'entreprise, dans le développement de l'entreprise, ce qui me semble particulièrement erroné, en particulier en ce qui me concerne et en ce qui concerne les syndicats que je connais et les syndicalistes que je connais, qui pour la plupart veulent que leur entreprise fonctionne. Oui. Alors, OURSSAF, c'est géré par les syndicats, n'est-ce pas? C'est-à-dire charge sociale que chaque mois les entreprises ils payent, c'est versé dans cette caisse, et cette caisse-là qui s'en occupe. Et il y a une faillite dans cette caisse depuis toujours, Rémi. Cette faillite dans cette caisse de sécurité sociale, on va dire, à ton avis, ça vient d'où exactement? C'est-à-dire énormément bulletins de salaire chaque mois, et de l'autre côté, il y avait beaucoup de polémiques à ce sujet, tu le sais très très bien. D'où est-ce qu'il vient cette faillite? Déjà, avant d'arriver aux travailleurs, on va voir leur syndicat, leur caisse, etc. Alors pour moi, il y a deux raisons des difficultés. Je n'irai pas dire jusqu'à faillite des caisses de sécurité sociale et notamment retraite et assurance maladie. Aujourd'hui, le système n'est plus vraiment géré paritairement parce que ce n'est pas les syndicats qui gèrent la sécurité sociale. C'est normalement une gestion paritaire. Mais cette gestion paritaire, concrètement, elle a quasiment disparu aujourd'hui. Et ça fait plusieurs décennies, je dis bien plusieurs décennies, qu'on assiste à une manipulation éhontée des pouvoirs publics par rapport aux caisses de sécurité sociale. Il faut savoir que tous les gouvernements, ou presque, qu'ils soient de droite comme de gauche, lorsqu'ils décident, par des mesures législatives prises par leur majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, d'envisager des exonérations de cotisations patronales et ou salariales, ils ne prennent pas en charge les déficits qu'ils creusent eux-mêmes. Donc en clair, c'est l'argent des salariés des entreprises qui financent la protection sociale en France et la retraite, mais c'est les majorités législatives, les gouvernements, qui décident trop souvent d'exonérer les entreprises, mais sans compenser à l'euro près ces déficits. Donc ces déficits nouvellement créés. Donc il y a un véritable scandale d'État. Nous sommes nombreux à être outrés cette situation, puisque ça met en difficulté évidemment les budgets de la sécurité sociale, les budgets des caisses de retraite. Et puis il y a une deuxième raison qui met en danger, bien sûr, notamment les caisses de retraite, c'est la situation de l'emploi. Avec un taux de chômage officiel BIT de 10%, il est clair que la situation de chômage ne permet pas d'alimenter suffisamment les caisses de retraite. Alors, on a le régime général et on a des régimes spéciaux, un régime spécial comme la SNCF, celui des cheminots que je connais bien. Il se trouve que, paradoxalement, pour le régime cheminot, ce régime voit sa santé financière s'améliorer dans les années 2023-2024, tout simplement parce que les cheminots retraités vont connaître une démographie funeste, c'est-à-dire une mort, des prévisions donc, de diminution de la charge des retraités cheminots. Ce qui fait que si on restait sur un seuil de cheminots actifs d'environ 140-150 000, eh bien le régime s'améliorerait arithmétiquement en 2023-2024. Ce qui est l'inverse pour le régime général, c'est-à-dire pour les salariés qui ne dépendent pas d'un régime particulier, et c'est bien sûr la grande masse des salariés, eh bien là la situation est différente.
parce que il y a de moins en moins d'actifs et il y a de plus en plus de chômage. Et il est clair que si on réduit le chômage, arithmétiquement, bien sûr, on va améliorer la situation des caisses de retraite notamment. Et donc ce qui est important, c'est d'améliorer ces caisses de retraite. Maintenant, il y a un deuxième aspect aussi dans les caisses de sécurité sociale qui me semble être aussi un scandale. C'est bien sûr la gestion de l'achat, des remboursements de médicaments et aussi des frais d'honoraires. Mmh. En France, on a un système un petit peu particulier où on forme des médecins, mais où on a décidé de laisser la liberté d'installation totale aux médecins. Ce qui fait que sur la Côte d'Azur, quand vous voulez consulter un ophtalmologue, un rhumatologue, vous avez un délai de 8 à 10 jours, tandis que quand vous voulez le faire à Bordeaux, quand vous voulez le faire dans la Creuse, quand vous voulez le faire dans les Ardennes, eh bien, pour avoir un ophtalmologue, il faut attendre 9 mois, 10 mois, 12 mois de délai pour voir le médecin donc qui vous soigne les yeux. Ça, et pour les généralistes, c'est pareil. Pourquoi c'est une manque de médecins ? Parce que ce n'est pas un manque de médecins, c'est une mauvaise répartition géographique des médecins. Mmh. Et ce qui semble quand même un peu gros, puisque ce sont les Français, pas que les salariés, mais tous les contribuables, qui participent au financement des facs de médecine, des études de médecine. Et c'est vrai qu'être étudiant en médecine, c'est quelque chose de difficile. Devenir médecin, c'est une tâche très difficile. Mais par contre, moi, je suis de ceux peut-être d'obliger, une certaine forme d'obligation. Je sais que c'est très choquant quand on parle d'obligation, parce que ça entame le principe de la liberté d'installation. Mais je pense qu'on devrait demander à ces jeunes médecins d'intervenir dans des centres médicaux, dans les zones où il y a plus de médecins, où il y a des déserts médicaux. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui des Français, pas que des salariés, des Français qui souffrent justement de ne pas avoir accès aux services médicaux de base et accès aussi à des spécialistes. Donc je pense qu'il faut planifier. Mais ça, c'est un débat qui a lieu aussi depuis des décennies et que personne ne veut trancher. C'est comme le remboursement de certains médicaments, l'industrie pharmaceutique est aussi derrière. Donc il faut bien penser que le déficit de l'assurance maladie n'est pas que le produit du chômage, n'est pas que le produit des exonérations de cotisations patronales et salariales. C'est aussi l'organisation de la médecine en France qui est un souci et qui pose débat. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Également, vous pouvez nous regarder dans le monde entier comme vous regardez à la télé en tapant ici et maintenant.com. Et comme Morgan vous a dit, nous sommes également sur Radio Terrestre, numérique, canal A9. Alors, ce soir, j'ai le plaisir d'avoir comme invité mon ami Rémi Offray, syndicaliste, qui peut répondre à beaucoup de questions assez importantes, parce que c'est vrai, dans la vie, Rémi, tu sais toujours, on a besoin de psychiatres, d'avocats, surtout les travailleurs ne savent pas qu'en même temps qu'on a besoin d'avocats dans la vie comptable, on a besoin d'un bon syndicaliste pour pouvoir bien conseiller les travailleurs. Enfin, ça ne limite pas ton travail, enfin le travail de syndicat seulement pour les travailleurs, c'est pour les fonctionnaires aussi, on peut dire, n'est-ce pas? Pour le tous les gens qui ont un bulletin de salaire, qui travaillent, qui ont un bulletin de salaire, sans aucun doute ils rencontrent des problèmes, surtout actuellement, Rémi, j'ai entendu, beaucoup des entreprises et de sociétés, ils vont virer en masse, qui sont en train de le faire depuis des années, leurs employés, mais de temps en temps, il y a, voilà, je suis désolé de le dire, il y a des complots, c'est-à-dire il crée une ambiance nerveuse, gênante, dans le travail, même de temps en temps par les autres collègues du travail, que l'individu lui-même, il quitte le travail, tu vois, qu'il démissionne. Moi-même, j'ai rencontré énormément de témoignages des gens qui étaient comme ça. Ça, c'est à part de tous les licenciements qu'on est en train de constater depuis des années, surtout depuis que le monde est entré dans une phase nouvelle, on peut dire, et c'est une phase numérique, et maintenant network, etc. Jour après jour, nous n'avons plus besoin
masse travailleur comme avant. Toutes les choses deviennent automatiques. Et même pour la plupart des choses, on peut les faire à partir de chez soi. Alors, dans cet domaine, tous ces domaines-là que je viens de citer, Rémi, qu'est-ce que tu as pu faire pour les travailleurs et qu'est-ce que tu proposes, puisque c'est quelque chose que ça va continuer de toute façon. Alors, je crois que nous sommes en train de vivre une véritable révolution dans le domaine de la structure même du travail. Le syndicalisme classique, le syndicalisme que je vis notamment aujourd'hui, il est basé sur le salariat. Mais tu viens de le dire, et tu n'as pas cité une situation qu'on connaît de plus en plus, ce sont les travailleurs qui ne sont ni dans le salariat, ni vraiment patrons d'eux-mêmes, mais en situation de prestation de service un peu étonnante, parce qu'ils dépendent quand même d'une certaine puissance, d'une certaine autorité, sans disposer d'un contrat de travail basé sur un salaire, sur une feuille de paye. J'en veux par exemple sur la situation des travailleurs, parce que ce sont des travailleurs bien sûr, qui bossent pour Uber, avec leur voiture dans Paris et dans les grandes villes de France. On pense que Uber, c'est une situation agréable, parce qu'évidemment, des gens ont trouvé un emploi. Sauf que les travailleurs d'Uber, ils sont tenus à des horaires, ils sont tenus à une structure d'emploi par l'intermédiaire d'un organisateur du travail qui s'appelle la société Uber, sans être salariés, mais ils doivent être en quelque sorte à disposition permanente de la société Uber sans toucher de bulletin de salaire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on est dans une véritable révolution au niveau de la structure même du travail. Aujourd'hui, un travail, ce n'est pas forcément un travail salarié. Alors évidemment, je ne parle pas des employeurs qui sont propriétaires de leurs usines, je ne parle pas des gestionnaires, je ne parle pas des artisans. Je parle bien là des travailleurs qui auraient pu être salariés, qui ne le sont plus aujourd'hui, qui ont trouvé un emploi à travers des prestations de services type Uber. Mais cette liberté, à travers Uber, elle se révèle un petit peu fausse finalement. Parce que je ne crois pas que tout est automatisé. La problématique, c'est qu'en France, comme en Europe, comme dans le monde occidental en règle générale, et le monde occidental, je le vois bien des États-Unis jusqu'au Japon, en passant par la Thaïlande et l'Australie, c'est-à-dire la plus large partie du monde, nous avons besoin d'emplois au niveau d'aide à la personne. Et ça, ni Internet, ni Facebook, ni Twitter ne pourra remplacer l'aide à la personne, l'aide humaine. Quand vous avez une personne dépendante, une personne en retraitée dépendante, et un jour nous pouvons tous le devenir dépendante et nous serons tous âgés, en tout cas c'est ce que je nous souhaite, de préférence en bonne santé, mais on aura certainement besoin d'aide, d'aide humaine. C'est pas Twitter, c'est pas Internet. Et donc il faut accepter aujourd'hui qu'on s'engage sur une voie de transformation de l'emploi vers l'aide à la personne, vers les services. Et bien entendu, l'emploi industriel tend, lui, à réduire. On a tendance à avoir besoin de moins d'emplois industriels. Par contre, ça, c'est une réalité. Donc, changement dans la structure de l'emploi, et c'est à nous de nous former différemment pour répondre à de nouveaux besoins. Parce qu'il y a des vrais besoins avec le vieillissement de la population. Par contre, moi, ce qui me choque, notamment, là, on vient d'apprendre, la société Airbus, nous sommes tous fiers d'Airbus, vient d'annoncer des centaines de suppressions d'emplois, alors que les carnets de commandes sont pleins. Et donc la société Airbus, comme d'autres grandes entreprises, ont décidé d'externaliser des tâches, notamment administratives, qui appartenaient directement pourtant à la société, pour les externaliser. Et là, c'est le danger justement du côté virtuel. Dans d'autres pays, bien au-delà de l'Allemagne, bien au-delà des frontières de l'Union européenne. Et là, ce qui est un peu choquant, c'est qu'à partir du moment où une société se porte très bien, que ses carnets de commandes marchent bien, il ne nous semble pas, pour les syndicalistes, mais certainement pour les Français normalement constitués, de supprimer des emplois, sachant que derrière les emplois, il y a des femmes et des hommes qui travaillent, et au contraire, s'engager peut-être à les reformer, en tout cas, les aider à trouver une autre place dans l'entreprise. Mais en tout cas, l'annonce massive de suppression d'emplois pour un tel groupe me paraît, à proprement parler, scandaleux. D'autant plus que ça ressemble un peu, même si beaucoup
de gens excessifs parlent de ça, je pense que ça ressemble aussi un peu à du licenciement boursier, c'est-à-dire en vue de revaloriser quelque part l'action d'Airbus. Et c'est profondément choquant dans la situation actuelle du groupe Airbus. Donc les gens sont prêts, les salariés ne sont pas immobiles. Ils sont prêts, lorsque leur emploi est en jeu, lorsque leur entreprise a des problèmes, ils sont prêts à changer. Mais pour cela, il faut les accompagner et il faut surtout leur expliquer. La stratégie du changement dans une entreprise, c'est aussi la pédagogie de l'explication. On n'a pas le droit de demander, de dire à un salarié que son poste est supprimé sans lui offrir les possibilités d'être acteur de son changement, sans lui offrir les possibilités de nouvelles formations, d'un nouveau déroulement de carrière. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a aussi des syndicalistes qui protestent, qui voient certaines décisions arriver, qui protestent parfois violemment, mais avec raison, parce que, effectivement, après, c'est quand même la misère. Le chômage, c'est quand même la misère. Fort heureusement, en France, on a encore quelques aides, un pacte social suffisamment correct, mais tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de travailleurs pauvres et il ne faudrait pas qu'en Europe, et notamment en Allemagne comme en France, on soit dans la situation des working poor américains, où des gens travaillent 45, 50, 55 heures, mais n'ont pas de quoi bouffer. Parce que la réalité, c'est que quand tu es payé 2,5 $ de l'heure aux États-Unis, et puis que tu dois payer ton loyer, ben, tu vis dans une caravane. Et il y a des centaines de milliers de travailleurs américains qui vivent comme ça. Mais effectivement, on peut dire que le chômage aux États-Unis est de 4,5%. Mais que signifie un taux de chômage à 4,5% si vous avez des salariés, si on a des salariés qui n'arrivent pas à manger et à payer leur loyer avec le peu de salaire qu'ils ont? Donc il faut aussi savoir relativiser, il faut aussi savoir comprendre la situation des pays. On a trop souvent l'habitude d'être très plaintif, très catastrophique, catastrophiste en France, mais lorsqu'on ouvre les frontières, lorsqu'on ouvre les fenêtres, eh bien, on s'aperçoit que la situation doit être pondérée. Elle n'est certainement pas formidable, elle est très difficile, mais on doit mettre en parallèle ce qui se passe aussi ailleurs et on doit réfléchir nous-mêmes sur ce que nous devons faire pour atteindre un niveau d'emploi maximum, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'emploi. En vérité, le chômage est une incongruité, c'est une bêtise dans la mesure où il y a des besoins d'emploi. Par contre, il faut savoir comment on les finance. C'est pour cela que dans l'actualité, un autre choc qui m'a été donné de connaître il y a quelques jours, je trouve d'une stupidité politique, mais surtout économique, incroyable, le fait que deux candidats à l'élection présidentielle proposent de faire travailler les salariés 39 heures, payés 35. Donc il y a quand même un candidat à la présidentielle qui a osé dire ça. On a 3 millions de chômeurs en France, et ceux qui ont un emploi vont avoir plus de travail. Comment voulez-vous que ceux qui n'ont pas de travail trouvent un emploi dans ces conditions? Et en plus, ceux qui aujourd'hui travaillent 35 heures, qui d'ailleurs en vérité travaillent toujours un peu plus, il faut quand même le savoir, y compris dans une entreprise publique comme la SNCF, ceux qui travaillent 35 heures, demain on va leur demander de travailler 39 heures sans gagner plus. Alors l'ancien président Sarkozy avait l'habitude de nous dire « travaillez plus pour gagner plus ». Aujourd'hui on est en train de nous dire « travaillez plus et gagnez moins ». Ici, est-ce que Rémi, nous sommes avec Rémi Offray, syndicaliste, ce soir sur 95 FM, radio ici maintenant, mes chers amis. Beaucoup de questions, et lui il est là, il va nous répondre sans aucun problème. On va avancer avec Rémi. Alors Rémi, ici, un problème qui s'impose depuis des années, c'est la liberté de choix, de choisir. Un travailleur, si pendant des années il est sans emploi, sans travail, alors si lui-même, il est d'accord de travailler 4-5 heures de plus pour être embauché, est-ce que c'est un problème? Deuxièmement, Rémi, tu peux faire une enquête. David, il n'a pas fait enquête, mais j'entends, je vois, depuis toujours, dans toutes les sociétés, sans exception, ils font travailler leurs employés
plus de ce qu'ils en payent, ces gens-là. C'est-à-dire, si c'est 35 heures, dans plupart des sociétés, bon, plupart, pas tous, mais plupart des sociétés, ils font travailler 2 heures, 3 heures, 1 heure, ou 30 minutes, ou 5 heures de plus leurs employés par jour, sans être rémunérés à la fin du mois. Ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire, il y a deux méthodes. Une méthode de la force, une méthode de volonté. Méthode de la volonté, ce qu'on dit, voilà, accepter un peu moins, puisqu'actuellement, il y a beaucoup de concurrence qui vient de pays l'Europe de l'Est. Ici, ils travaillent moins cher. Alors, de l'autre côté, l'individu, s'il est en chômage pendant, depuis longtemps, alors, toucher un peu moins, 4-5 heures par semaine, ça sera mieux de travailler 4-5 heures plus par jour. Moi, je te dis une chose, Rémi. La plupart des fois, j'étais témoin moi-même, qui est même le responsable des rayons, responsable des sociétés, à droite, à gauche, et il était 18 heures, 19 heures en train de travailler. Et quand je pose la question, ton travail c'est fini à 17 heures, à 16 heures, il est 18 heures, 19 heures, 20 heures, tu es payé? Il dit non, je ne suis pas payé, je travaille moi-même parce que je suis en train de régler mes dossiers, je ne sais pas, patati patata. La même chose qui existe chez les fonctionnaires. Alors, c'est une question, bien sûr, c'est une question. Alors si, et de l'autre côté, l'individu lui-même, il est d'accord. Officiellement, au lieu d'être forcé de rester dans son bureau ou dans son atelier ou dans son usine de travail 4-5 heures de plus, lui-même, il accepte, ok, 39 au lieu de 35, etc. Est-ce que c'est grave, à ton avis, pour améliorer l'ambiance du travail? Le problème, c'est que moi, je pense qu'on devrait tous travailler. Mais il ne faut pas réserver le travail à ceux qui en ont déjà un. C'est-à-dire que les heures supplémentaires... Ah voilà, ça c'est très intéressant. On ne peut pas... il faut partager le travail. Il faut partager aussi le travail. Mais voilà. Il faut partager aussi la richesse du travail. Bravo. Oui. Et là, on est dans un débat très intéressant. Non, c'est très intéressant, oui. Les heures supplémentaires en France, elles ont toujours, comme ailleurs, elles ont toujours existé. Y compris dans les entreprises publiques. Sans être payé. Sans être payé. Voilà. Mais il faut dire que... Ce que personne n'en parle. Bien sûr. Dans tous les débats qu'on voit à la télé, à la radio, avec les patati au patata, jamais on ne pose pas cette question-là, jamais on n'évoque pas ça. Ce qui est choquant dans la proposition de François Fillon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, même si Alain Juppé est juste derrière, c'est qu'il dit bien qu'il veut passer le temps, il veut supprimer la référence aux 35 heures, et dans l'absolu, on pourra travailler jusqu'à 48 heures par semaine. Mais il faut savoir que dans certaines entreprises publiques, et moi j'en connais quelques-unes, quand vous êtes aux 35 heures, vous avez certaines responsabilités, vous travaillez plus de 35 heures en vérité. Et y compris, certainement non payé. Donc si officiellement, on supprime la référence aux 35 heures, non seulement on aura une difficulté d'être payé en heures supplémentaires quand on peut l'être, parce que certaines entreprises privées, heureusement, et la plupart respectent la loi, en tout cas je l'espère, au-delà du seuil légal, d'heures de travail, on paye en heures supplémentaires, donc à minima au moins plus 10%, et ça, ça nous semble logique. Parce que on peut à ce moment-là travailler jusqu'à 48 heures par semaine. C'est la limite selon l'Organisation internationale du travail. Mais si on travaille 48 heures par semaine, y compris dans des métiers industriels, est-ce que vous ne pensez pas qu'on ne va pas encore avoir un peu plus de chômage? Et la richesse qui mais sera produite par travail, Rémi, quelques-uns... Mais il y a certains que d'autres personnes ne peuvent pas le faire. Bien sûr. Par exemple, si, si tu es directeur de ton... Bien. Je ne sais pas quoi, dans pas... tel syndicat, oui. C'est toi qui dois rester jusqu'à 20 heures, 21 heures. Mais il n'y a pas que des directeurs. Oui, et il y a des gens qu'on doit former... Aux fonctionnaires. Aux fonctionnaires, par exemple, tu as plein de dossiers pour demain. Toi-même, tu décides de régler tout ça puisque tu aimes ton travail. Mais il y a peut-être des hauts fonctionnaires qui ne devraient plus l'être. Parce que vu les décisions qu'ils prennent dans certains cas, il ferait mieux de ne plus travailler, ceux-là. Mais c'est facile à dire, mais en réalité... En réalité, prenons le cas du Japon, parce qu'on parle de la France. En France, on affiche 35 heures. Dans la vraie vie, on est, nous, avec nos 35, 37, 39 heures, on est plus productif qu'au Japon. Parce qu'au Japon, il faut que vous soyez là à 8 heures du matin, y compris dans l'administration. Et le soir, vous partez après votre chef,
où vous allez boire un coup avec votre chef. Donc vous avez une amplitude de travail où vous commencez à 8h et vous finissez à 21h ou 22h. Mais ce qui est reconnu, c'est pour ça que la France est l'un des premiers pays qui attire les investissements directs étrangers, les IDE. Dans l'Union européenne, notre pays est le premier ou le second à attirer les investisseurs étrangers. Donc quand on nous explique que la loi sur les 35 heures est une loi qui désespère les investisseurs, notamment étrangers, c'est de la foutaise. Mensonge. Comme je le pense. Parce que la réalité de l'investissement étranger en France, il est considérable parce que les salariés français, quand ils font 35 ou 40 heures, ils font 35 ou 40 heures productives. Tandis que d'autres pays allongent plus de durée de travail, mais sans dégager autant de productivité horaire qu'une bonne partie des salariés français. Ça, c'est une réalité aussi. Maintenant, ce qui est choquant, c'est pas que qu'un salarié fasse des heures supplémentaires, ça ne me choque pas. C'est la liberté, tu l'as dit. Bien sûr, quelqu'un veut faire des heures supplémentaires. Si le patron lui dit « Oui, je te paye 10% de plus, tu fais des heures supplémentaires, j'ai besoin de toi », on ne va pas l'interdire, c'est sa liberté. Mais moi, je n'interdis pas ça. Par contre, ce qui est choquant, c'est lorsqu'un grand groupe qui connaît des difficultés, lorsqu'un grand patron, et là, je crois que c'est arrivé très récemment, lorsqu'une assemblée générale d'actionnaires refuse une augmentation de 20, 30, 40% des revenus d'un grand patron d'un grand groupe, et bien que le conseil d'administration passe outre l'assemblée générale des actionnaires et décide quand même de donner un parachute doré à ce grand patron. Ça, c'est une honte. Parce qu'il n'y a pas c'est de lien quel entre... Groupe c'est quel groupe alors, je l'ai sur le bout de la langue. C'est pas grave, de toute façon, toutes les grandes groupes, c'est comme ça. Mais hein. Non, ce qui est scandaleux, c'est malheureusement, que c'est-à-dire les pauvres mais n'arrivent là, pas à obtenir ce qu'il fait, le salaire de ce qu'il fait. Mais si son groupe fonctionne mal. Mais de l'autre mal, côté, les patrons, si les gros patrons en haut, ils touchent les sommes. Ce qui est scandaleux, c'est que le grand patron, il est responsable aussi des résultats. Si les résultats ne sont pas à la hauteur... C'est ce que je dis. Si les résultats ne sont pas à la hauteur, c'est-à-dire si les résultats sont en baisse, pourquoi on augmente de 20, 30, 40% les émoluments et le parachute doré du patron en question? Parce qu'en gros, l'entreprise, elle plonge, le patron, il part avec un parachute doré. Là, il y a un manque d'éthique, c'est catastrophique, un manque de pudeur. Parce que comment on va demander à un ouvrier dans son usine, à un technicien qui travaille, comment on va lui dire « Cette année, tu auras 0,5% d'augmentation » quand le patron qu'il a eu pendant 3, 4, 5, 6 ans, il part avec un parachute doré de X millions d'euros. Comment on justifie ça? Donc il y a un problème de pudeur, il y a un problème d'éthique aussi dans notre capitalisme qui doit être transformé. On doit transformer cette économie de marché. Il ne s'agit pas de revenir vers les modèles qui ont complètement échoué, les modèles soviétiques et autres qui ont été une catastrophe, pas seulement qu'au niveau des libertés, mais une incomparable bêtise économique. Mais il faut quand même tenter de moderniser l'économie de marché pour faire en sorte que les efforts des travailleurs soient, à juste titre, récompensés, en tout cas reconnus. Et donc, quand une entreprise va mal, et ben, on ne fait pas de parachute doré. Et ça, c'est assez scandaleux. Tout comme la réforme fiscale, malheureusement, en France, n'a pas été menée. Il y a une troisième chose qui devrait être encouragée, c'est l'investissement dans les entreprises. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais il est clair que l'employeur, le patron d'une moyenne entreprise qui met son argent personnel dans son entreprise pour l'investissement, pour moderniser son entreprise, eh bien, ce dirigeant, cette dirigeante, a le droit de défiscaliser. Moi, ça me semble normal qu'on l'aide et que le fisc ait une petite mesure pour lui, pour défiscaliser, parce qu'il va investir son argent, il va prendre son risque, il va investir dans son entreprise. Mais c'est pas le cas actuel. Mais c'est pas... On les aide pas assez, certainement. Mais aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, ça fait ça. Ça dépend. Ouais. Ce qui est scandaleux en France, c'est que les petites PME... qui eux, travaillent sur le territoire français, font travailler des salariés qui vivent en France, des salariés qui soient français, étrangers, peu importe, ils payent des cotisations en France, ces PME qui fournissent du travail, qui font l'activité économique française, eh ben, ces entreprises sont relativement peu aidées, et ils payent 33% d'impôts sur les sociétés, tandis que les grands groupes, vous allez voir Total,
grandes multinationales soi-disant françaises du pétrole, eh bien, au CAC 40, eh bien, ils payent 8%. On paye 8% dans une entreprise, dans une multinationale comme celle-ci, alors qu'une PME, une moyenne entreprise qui travaille en France, elle va payer 33% d'impôts sur les sociétés. Eh bien, ça, c'est une honte. Et ça, c'est effectivement l'internationalisme de la finance qui permet ça. C'est, malheureusement, comme tu viens de dire, si tu es plus riche, tu as moins de problèmes, moins de frais. Et si tu es plus pauvre, alors tu dois rester pauvre. Surtout, précarité, pauvreté, Rémi, qui jour après jour est en train d'augmenter en France, malheureusement. On n'en pense pas seulement... on est content quand on voit le restaurant de cœur, le restaurant Cloche, notre ami Cloche, ça s'ouvre chaque année en ce moment-là. On peut constater, on peut voir que dans ce pays qui est tellement riche, qui est tellement gaspillé, qu'il soit nourriture, qu'il soit l'argent, alors de l'autre côté, malheureusement, alors les syndicats qui leur responsabilité, c'est de défendre les pauvres, les travailleurs. Alors, il n'y a pas de think tank là-bas pour réfléchir, pour donner des projets, pour donner des programmes, pour aller au tribunal. C'est parce que de temps en temps, avec « Bonjour, comment allez-vous », tu ne peux pas avancer tes idées. Même de temps en temps, avec des manifestations, tu ne peux pas avancer tes idées. Puisque tu viens de citer un des deux candidats de domaine qu'on va voter pour eux, puisque je ne veux pas que mon émission devienne un pour quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Puis, surtout que moi, je connais tous ces gens-là, de droite et de gauche, des guignols, comme il dit mon ami. Et je les connais toutes et tous. Surtout, je veux te dire, déjà, je n'ai pas admiré comme un citoyen hein, ce qu'il a fait depuis mardi matin contre son ami, les propos vraiment qui n'étaient pas corrects. C'est moi qui ai dit non correct après les autres aussi. Ils ont dit non correct. Vraiment, ce n'était pas correct de Juppé de faire ça. Moi, je le connais depuis 30 ans, Juppé. Il était maire de... mon bureau était à Paris 18e dans les années 80, je le connais depuis des années. Alors, ça c'était vraiment. Ce n'était pas dans la qualité d'un homme d'État de descendre tellement bas et dire n'importe quoi contre un adversaire qui est son copain, qui était lui-même il était son ministre. De l'autre côté, ce monsieur-là, on le sait très très bien que dans les années 90, quand il était au pouvoir, deux ans de Premier ministre Jacques Chirac, tellement de manifestations ici que Chirac était obligé de faire ce qu'il a fait. Et c'était l'armée qui est sortie dans la rue pour déplacer les gens. Moi-même, à l'époque, j'habitais en banlieue parisienne, je voyais comment ça posait des problèmes. C'est-à-dire, même de temps en temps, c'est ça que je voulais te dire. Tu ne peux pas obtenir, puisque tu es syndicaliste, Rémi Offray, notre invité de ce soir, Rémi Offray, syndicaliste. Alors, de temps en temps, ni avec « Bonjour, comment allez-vous », ni avec « Manifestation », tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Alors, tu es obligé d'aller porter plainte, d'un côté, d'aller voir les députés pour passer les lois. C'est deux choses-là qui sont très importantes. Regarde comment on fait descendre les candidats, les hommes d'État, les gens qui étaient au pouvoir, par les procès. Alors, tous ces procès-là, on peut le faire. Jamais on n'a pas fait des procès contre les grands capitalistes, des grands groupes, comme tu viens de dire, Parachute Doré, ou je ne sais pas quoi, histoire de Panama Papers, quand on l'oublie dans deux semaines, c'est plusieurs milliards de dollars l'argent des peuples français qui va partir en l'air. De l'autre côté, Mélenchon, il a fait une demande, une pétition, je ne sais pas si tu es au courant ou non, qu'il rembourse Société Générale 2 milliards de dollars l'aide qu'il a touchée il y a déjà 2 ans. Comme quoi il a dit qu'il perdait de l'argent, mais après cette année, on a compris qu'il y avait l'histoire de Panama Papers, qui est ces 2 milliards de dollars qui demandent l'argent, et de Tian et de d'autres personnes. Il a touché, ce n'était pas juste, il a demandé le remboursement. Et Percy est en train de voir ce dossier-là, c'est-à-dire cette pétition de Jean-Luc Mélenchon était quelque chose dans cette marche que je viens de parler avec toi. C'est-à-dire aller voir la loi par la justice, par les députés, par les lois républicaines, au lieu si on voit que par manifestation on n'arrive pas, parce que c'est vrai de temps en temps on n'arrive pas par les manifestations. Regarde, le Nuit debout c'est terminé sans aucun résultat. À l'époque de Juppé, pendant des mois les gens, toutes les grèves n'ont rien donné, un changement d'assemblée. Alors de temps en temps il faut faire comme celui qu'il a fait, Jean-Luc Mélenchon, 2 milliards de dollars. Il a dit en plus Société Générale qu'il est tellement fort que Panama Papers, président de la République, il dit
que nous avons, la France a perdu plus d'un milliard de dollars à cause de ça, mais étouffé. Et de l'autre côté, lui, il fait un procès, une pétition seulement, simple pétition, de l'autre côté. Au Sénat, il y avait une dizaine de sénateurs contre ce projet. Sous testament, il a menti, le patron de Société Générale, etc. Tout ça, ça passe. Alors, vous, les syndicats, que vous représentez les travailleurs, une force ouvrière, vous êtes force, enfin, ce n'est pas le mouvement de force ouvrière, tous, vous êtes très très fort. Alors, de temps en temps, il faut avoir des think tanks dans ces syndicats, ces confédérations, Rémi, pour pouvoir aller à la rencontre de ces gens-là avec une autre méthode. Alors non, on participe de toute manière, on a des organisations qui réfléchissent avec nous, on réfléchit dans des organisations pour proposer certaines prospectives. Je crois que ce quinquennat qui se termine, d'abord dans quelques mois, peut-être dans quelques années, on rendra justice à certaines mesures qui ont été prises, mais on est encore très coléreux parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faites. Je le disais tout à l'heure, premier point, c'est la réforme fiscale. Si la réforme fiscale, c'est la retenue à la source, ça aurait été vraiment minime. Mais la deuxième chose qui n'a pas été faite, et quand tu parles de la situation des banques, c'est notamment la loi qui aurait dû passer sur la séparation dans les activités bancaires entre la banque de dépôt de particuliers et la banque d'investissement. Parce que finalement, effectivement, c'est quand même les contribuables français qui ont participé au sauvetage de certaines banques françaises, dont la Société Générale, et c'est un véritable scandale. Mais il y a eu aussi le scandale du Crédit Lyonnais. Et alors qu'aux États-Unis, avec Obama, il a un petit peu assaini justement cette distinction entre banque de particuliers et banque d'investissement et de spéculation, eh bien en France, on n'a pas fait cette réforme bancaire. On n'a pas fait cette réforme bancaire parce qu'une partie des hauts fonctionnaires de Bercy sont directement influencés justement par les grandes banques et n'avaient aucun intérêt de voir passer ce type de disposition législative. Alors oui, quand on voit que les Islandais, tu dis que les manifestations, ça ne marche pas. Oui. Regardons la situation de l'Islande. Certes, c'est un tout petit pays qui a moins de devoirs par rapport à la communauté internationale. Mais les Islandais, ils sont révoltés. Ils ont obtenu des démissions d'hommes politiques. Et puis, ils ont surtout obtenu que certaines banques islandaises, elles fassent complètement faillite. Parce que certaines banques islandaises avaient arnaqué les citoyens islandais. Eh bien, c'est ce qui a failli se produire en France. Mais malheureusement, ce débat sur la réforme bancaire, comme la réforme fiscale, qui a été pourtant annoncé. Parce que lorsque le président de la République disait « mon ennemi, c'est la finance », il avait parfaitement raison de le dire. Il ne parlait pas du banquier qui prête de l'argent pour acheter sa maison. Il parlait surtout du banquier spéculatif, de celui justement de certaines salles de marché qui font des montages extrêmement complexes. On ne sait plus ce qu'il y a comme argent pourri dans certains placements financiers aujourd'hui. C'est tellement compliqué. Même ceux qui vendent ces placements ne savent plus ce qu'ils vendent. Et donc, lorsque dans ces placements, dans ces fonds de placement, il y a des choses qui ne marchent plus, eh bien, on va à la catastrophe. Ils jonglent avec des milliards, des dizaines de milliards, et ils en perdent complètement le contrôle. Et c'est une catastrophe. Alors après, quand on dit aux syndicalistes, mais qu'est-ce que vous comptez faire, vous ? Eh bien, nous, on propose. On propose réforme bancaire, réforme fiscale. Mais le syndicalisme n'a pas vocation à se substituer à la classe politique ou aux élus politiques qui, eux, devraient prendre des initiatives. Nous, bien sûr, on donne des idées. Mais nous ne sommes pas des députés. Nous sommes des syndicalistes. Nous sommes là pour défendre à la fois les travailleurs qui ont emploi et aussi les travailleurs qui sont au chômage. Défendre les gens qui dépendent des entreprises et défendre aussi les travailleurs qui maintenant travaillent pour Uber. Nous avons une vraie réflexion, une vraie volonté de. Il faut défendre ces gens-là. Et il faut défendre aussi les gens qui travaillent sous la forme Uber, sous l'ubérisation, parce que c'est des gens qui doivent être bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'empêcher de travailler. Il ne faut pas l'empêcher de travailler. Il faut leur donner des droits. Voilà. Ils doivent avoir des droits. Ils travaillent, ils doivent avoir des droits, tout simplement. Mmh. Et le droit ne se résume pas seulement à toucher de l'argent, à avoir une rémunération, même si ce n'est pas un salaire. Ils doivent avoir un droit. Moi, ça peut me faire peur. Si demain, on apprend qu'un travailleur d'Uber
peut se permettre de travailler, de conduire plus de 12 heures par jour, ça me gêne. Ils font ça actuellement. Mais la pénibilité du travail, tu connais. Imagine, on l'a interdit pour le conducteur routier. Hmm. La fatigue au volant, est-ce qu'on sait ce que c'est, la fatigue au volant? On dit tous les deux heures, il faut se reposer. Eh bien oui, ça c'est une réalité. Donc effectivement, quand on râle sur le rythme de travail, les conditions de travail, là on a un vrai débat. C'est pour ça aussi que plusieurs organisations syndicales, dont la CFDT, se sont battues pour la reconnaissance de la pénibilité. C'est-à-dire pour que tu puisses prendre ta retraite un petit peu plus tôt, si pendant des années, voire des dizaines d'années, tu as travaillé avec des contraintes horaires, tu as travaillé en horaires décalés, tu as travaillé la nuit, tu as travaillé dans des emplois où il fallait soulever des charges lourdes. Là, et c'est dommage qu'en France, le patronat, justement, les gros patrons, le MEDEF notamment, s'est opposé directement à cette application des règles de pénibilité. Ces règles de pénibilité qu'on doit appliquer, elles s'appliquent individuellement à chaque salarié. Bien sûr, on n'a jamais travaillé de la même façon. Nous ne sommes pas tous identiques. Nous sommes tous égaux, mais tous différents. Et donc, si on a eu un travail pénible, eh bien, si M. Dupont a eu un travail pénible, oui, il mérite de prendre sa retraite un petit peu avant quelqu'un qui a eu un travail moins pénible. À quel âge ? À quel âge ? Moi, écoute, je suis rentré dans le monde du travail à l'âge de 16 ans. Oui. Alors, il est évident que je refuse de travailler jusqu'à 65. Hmm. Parce que tu calcules, ça va me faire une carrière de 49 ans. Est-ce que tu trouves logique que moi, parce que j'ai travaillé à 16 ans, je vais faire 49 ans de carrière ? Non, il faut tenir compte aussi de la durée d'activité, de la durée de carrière. C'est évident que la problématique d'équilibre du régime de retraite est posée. Mais peut-être qu'il faut aussi tenter de répartir un peu plus le travail, parce que ce qui est désespérant aussi, c'est de voir que ceux qui ont un travail, le risque existe, nous le disions tout à l'heure, ceux qui ont un travail, ils risquent de travailler plus, et ceux qui n'en ont pas, ils risquent pas du tout d'en trouver. Donc il y a une vraie problématique, même si bien sûr, nous sommes tous différents également. Le travail que je fais, il peut être fait peut-être par quelqu'un d'autre à un moment donné, peut-être pas. Je ne suis pas capable d'être technicien électrique, je ne suis pas capable d'être boulanger. Et effectivement, pour qu'on remplace un boulanger, eh bien, il faut un boulanger. Donc, il faut qu'on fasse un formidable effort en termes de reconversion, formation professionnelle. Il faut qu'on consacre. Le temps de chômage demain doit être essentiellement consacré à la formation professionnelle. On doit vraiment utiliser la période où on est au chômage pour être une période d'activité. Non pas d'activité salariée puisqu'on est au chômage, mais une période très, très positive, très constructive, comme le font d'ailleurs les pays nordiques, en Suède, en Finlande, au Danemark, en Norvège. Cette période de chômage, elle est très active. Et évidemment, les Danois, les Suédois, ils modèrent, c'est-à-dire ils encouragent le retour au travail, mais c'est plus facile chez eux parce que pendant ta période de chômage, tu es tout le temps en formation, tu es tout le temps sur le qui-vive parce que tu apprends un métier ou tu te reconvertis. Et ça, cette période, elle est beaucoup plus productive qu'en France. On a toujours cette problématique en France de rendre, je dirais, cette période négative doit être positivée par des formations, par de la reconversion, par de l'aide aux chômeurs et non pas considérée comme une période d'oisiveté. Et puis, il faut arrêter de dire que les chômeurs, ils ont bien choisi, hein. Parce que moi, je ne connais pas de gens qui sont au chômage, qui ont choisi d'être au chômage. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. J'ai le plaisir de recevoir ce soir M. Rémy Offray, syndicaliste et surtout quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui a beaucoup travaillé en faveur des travailleurs, qui pourrait répondre à beaucoup de questions. Je le remercie d'accepter mon invitation et de venir ce soir ici, de loin, hein, parce qu'on l'attendait déjà longtemps, mais ce soir, j'ai le plaisir de l'avoir ici dans les studios. Mes chers amis, restez avec nous, vous écoutez votre radio. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et RNT Radio Numérique Terrestre Canal 9A et également sur Internet dans le monde entier icietmaintenant.com. Chaque dernier samedi du mois, dès 23h, David Abassi, écrivain et historien, est avec vous. Vous pouvez vous exprimer et poser vos questions en composant le
08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, comme je viens de vous informer, mes chers amis, j'ai le plaisir ce soir de recevoir M. Rémi Offray, syndicaliste. Voilà, et on va prendre Diane ce soir. Diane, bonsoir, comment allez-vous? Oui, bonsoir, ça va, monsieur. Écoutez, je me permets, j'écoute simplement que depuis 23h34 et je suis désolé, parce que je suis très content que vous avez dit un syndicaliste. Donc, je suis désolé, j'ai raté les 35 premières minutes d'émission, mais est-ce que vous pourriez repréciser de quel syndicat appartient, monsieur, s'il vous plaît? Alors, moi, je ne voulais pas le dire, Rémi, ah, voilà. D'accord, mais, on ne le dit pas. Mais il est en train de vous okay. écouter, et si vous avez des questions, allez-y, allez. Très bien, oui. Monsieur, bonsoir, c'est monsieur Rémi, excusez-moi, je vous appelle Rémi, ça ne vous dérange pas, j'ai oublié votre nom de famille. Offray. Si vous voulez constituer, ça ne me dérange pas. Hein. Mmh. Moi, j'ai pas de problème avec les syndicats, listes. Voilà. Et vous m'entendez, monsieur? Je vous entends. Oui, je vous entends assez mal. C'est pas grave. Monsieur, je me permets de vous poser une question. Deux petites questions. Vous avez expliqué tout à l'heure que les syndicats n'ont pas vocation à être députés. Bien sûr. J'ai une petite question toute bête. C'est la législation, ça? Non. C'est la législation? Non. C'est pas une histoire législative, mais les syndicats font partie de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire comme le monde associatif.
Ils ont une fonction, c'est de représenter, de défendre les salariés en activité, mais aussi les salariés privés d'emploi, c'est-à-dire les chômeurs. Donc ils défendent des gens qui sont titulaires d'un contrat de travail ou qui cherchent un emploi. Ils défendent aussi, bien sûr, les retraités, mais ils n'ont pas la vocation de d'écrire et de concevoir des lois, dans la mesure où être député, c'est rassembler. Moi, j'ai pas l'objectif de rassembler tous les Français. Il y a des Français qui ne sont pas salariés, il y a des Français qui ne se reconnaissent pas comme salariés, il y a des Français qui sont artisans et c'est méritant d'être artisans. Je ne fais pas un jugement de valeur, mais il y a des Français qui sont qui vivent de la leur vocation, rente. C'est défendre le salariat, hein, en fait. C'est exactement. Bien ça, hein. Le salariat et les gens qui sont privés d'emploi. Et les chômeurs, moi, j'estime que je dois défendre les chômeurs, parce qu'un chômeur, c'est un salarié privé d'emploi, c'est potentiellement un salarié. Et il participe de l'armée de réserve, éventuellement, du capital, pour que les salaires restent en bas. Monsieur, je voudrais vous poser une question. Moi, je me bats pour que les salaires ils augmentent. Moi, je me bats pour que les salaires augmentent. Je comprends. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez du système pré-révolutionnaire des corporations? Est-ce que vous pensez que si on arrivait à adapter quelque chose, une forme de syndicalisme par métier? Parce qu'en fait, on est bien d'accord que les corporations d'avant la Révolution, je fais référence à la loi Le Chapelier qui les a supprimées, n'est-ce pas? Et après, à peu près une centaine d'années après, c'est la naissance des syndicats auxquels vous appartenez, enfin, qui ont évolué, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir des syndicats qui soient spécialisés dans des métiers pourrait améliorer la condition du salariat ou de l'ouvrier de base, on va dire, ou plus ou moins de base d'ailleurs? Je ne pense pas. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, mais je crois que la loi Le Chapelier n'était pas une loi particulièrement progressiste. Ce qu'il y avait de bien, si j'ose dire, dans les corporations, mais ça a perduré ensuite. Ce qui est important dans les corporations, c'est les secrets, je dirais les secrets, plus les techniques des métiers. Ce qu'on appelle secret, vous savez, c'est plutôt de la discrétion, plutôt que du secret tel qu'on l'entend vulgairement. Donc, c'est les façons de travailler, c'est les méthodes de travail. Selon les métiers, il est normal qu'il y ait une longue formation, un apprentissage. Et donc, les corporations ont toujours existé pour cela. Il y a encore les compagnons du Tour de France, par exemple, qui sont d'excellents ouvriers dans leur parti. On peut dire que les compagnons du Tour de France sont une bonne survivance des corporations anciennes. Par contre, je voulais quand même vous signaler que ce que vous appelez éventuellement à la défense, à la promotion des corporations, ça a aussi donné, quelque part, la charte du travail du dictateur Philippe Pétain. C'est un peu ça aussi, les corporations. Là, vous parlez de quelque chose que j'ignore. Lorsque vous développez un peu. Lorsque Philippe Pétain a pris le pouvoir dans les conditions que l'on sait, certes par un vote en juillet 40, mais dans des conditions assez rocambolesques, eh bien, l'une des premières choses qu'il a faites, c'est bien sûr de dissoudre les syndicats et de s'engager dans l'écriture de la charte du travail la refonte de ce que vous appelez, de ce qu'on appelle parfois les corporations. Donc le syndicalisme professionnel, moi je considère que je suis un syndicaliste, je suis dans une corporation, je suis dans les transports, je suis syndicalisé transport, je défends les transports. Mais je ne fais pas que ça, parce que je pense que l'unité des salariés c'est important au-delà de leur corporation professionnelle. Et là évidemment le syndicalisme a un rôle politique, mais ne doit pas être politique. Vous suivez mon raisonnement, on ne doit pas être politique au sens de politicien. Mais le syndicalisme a un rôle politique. Il est aussi, à un moment donné, d'unifier tous les travailleurs, quel que soit leur métier. C'est important, parce qu'il y a des intérêts communs à tous les salariés de France, d'Europe et du monde. Il y a un intérêt commun, c'est que ceux qui travaillent doivent être considérés à travers leur salaire, considérés à travers leur dignité, qui passe par des conditions de travail dignes, qui passe par aussi la réduction du temps de travail, et non pas l'augmentation comme ce qui est proposé aujourd'hui. Voilà. Oui, mais monsieur, excusez-moi, en fait, je comprends parfaitement ce que vous dites. J'espère que la référence à Pétain n'est pas idéologique. Hein. Bon, mais peu importe, parce que moi je faisais pas référence à Pétain, je faisais référence à une période pré-révolutionnaire. Hein.
Mais bon, peu importe, c'est pas ça que je voulais dire. Là où j'ai du mal à vous suivre, c'est que ce qu'on peut dire, ce qui subsiste un peu, c'est vous avez l'air de dire que vous voulez unifier une forme de salariat, et on sait bien qu'il y a les, comment on appelle ça, les, vous savez bien, d'un métier à l'autre, les règles ne sont pas les mêmes. Mais bien sûr. Comment ça s'appelle le terme technique, les conventions du travail d'un métier à l'autre, c'est, d'ailleurs vous le dites vous-même, vous êtes spécialisé dans le transport. Mais c'est logique. Mais allô quand je... Oui, oui, non, mais je vous comprends, je oui. vous entends. Donc, ma question, c'est est-ce que finalement, la nature du travail lui-même et des spécialités, et que vous parliez de vrais métiers au départ, de connaissances, ne peut pas aller contre une unification. Il y a des contingences liées au métier, au travail lui-même, qui implique des spécificités qu'on ne peut pas uniformiser à tous les salariés. Est-ce écoutez, que je me fais comprendre je vous comprends. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, je considère que quel que soit le métier, 35 heures, c'est bien. Pour tous. Parce que la fatigue humaine, c'est pas la même quand on travaille 40 heures que quand on travaille 35. Par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, et je ne sais pas si vous avez écouté l'antenne, dans la reconnaissance de la pénibilité, dans la reconnaissance de la pénibilité professionnelle, nous ne sommes pas égaux parce qu'on ne fait pas le même travail. Donc à la fois, il faut appliquer, quand on se bat pour soi et pour les salariés et pour les autres autant que pour soi, on doit appliquer le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, ce que je veux dire à travers ça, je m'explique, c'est que quand on défend son emploi, on défend effectivement d'une certaine façon sa corporation. Mais sa corporation, on ne la défend pas contre les autres. On la défend parfois contre le patron, parfois contre le politique, parfois pour la faire reconnaître. Mais je ne vois pas d'opposition entre salariés. Moi, je n'en vois pas. C'est-à-dire qu'on défend, bien entendu, un certain travail dans un certain métier. Mais un certain métier, un certain travail ne s'oppose pas au métier de boulanger. Si je suis conducteur de train, ça ne s'oppose pas à l'électromécanicien de chez Peugeot. Non, j'ai bien compris, monsieur, j'ai bien compris, mais quand vous parliez d'unifier le salariat, ah non, mais manière, oui. Avec quel dénominateur commun? Mais une augmentation générale des salaires, des caisses de sécurité sociale qui continuent d'être alimentées normalement, et que l'État compense toutes les exonérations qu'elle impose aux caisses de sécurité sociale, que soit la caisse de retraite, que soit l'assurance maladie, que soit les régimes complémentaires. C'est-à-dire que quand le pouvoir politique, le pouvoir législatif impose des exonérations, eh bien qu'il est l'éthique, le minimum d'éthique républicaine qui devrait être la sienne, c'est de compenser intégralement, par exemple. Là, il y a un caractère unificateur pour tous les salariés de défendre notre régime de protection sociale, même avec l'existence de régimes spéciaux, qui dans certains cas, d'ailleurs, se justifient quand on les connaît. Quand on les connaît, je dis bien. Oui, quand on les connaît, oui. Alors, puisque vous parliez de la santé, de la sécurité sociale, on voit qu'il y a des mutuelles. Il y a des mutuelles qui sont presque spécialisées dans des... Enfin, je me trompe peut-être, hein. Dans des métiers ou dans des pathologies liées à des métiers, non? Je fais référence à... je sais qu'il y a eu, une obligation pour certaines entreprises, il y a quelque temps, de financer une bonne partie. Tout à fait. Voire peut-être pour les grosses boîtes, tout l'intégralité d'une mutuelle. Ça fait partie des... Tout à fait. Alors, évidemment, écoutez, il faut bien différencier les petites PME, enfin les toutes petites entreprises, les PME et les très gros, mais... évidemment. Mais vous pensez de ça? Parce que là c'est plus l'État qui joue son rôle. Non, la problématique, c'est que, d'une certaine façon, l'État exonère de cotisations certaines entreprises, et d'un autre côté, ne compense pas aux caisses de sécurité sociale, et après, donc, l'État demande au patronat de ces entreprises d'imposer une couverture mutuelle obligatoire, parce que la sécurité sociale ne rembourse plus à 100% les médicaments. Enfin, je simplifie, mais ça veut dire d'accord. ça, en principe. Donc aujourd'hui, bien d'accord, sûr, à travers un accord national interprofessionnel, signé sous le parrainage de l'État et avec le MEDEF et certaines orientations syndicales, nous avons imposé au patronat, il faut le dire comme ça,
la prise en charge à au moins 50% de la cotisation d'une couverture complémentaire obligatoire en France. Mais c'est ce qui se fait aussi à l'étranger d'ailleurs dans certains pays. Donc franchement, il n'y a rien de révolutionnaire. Enfin, pour certains ici, ça semble scandaleux, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Alors Obama a essayé de faire l'Obamacare, il a réussi qu'en partie, mais c'est vrai que la situation de la sécurité sociale aux États-Unis est complètement différente. Mais tout de même, le principe, c'est de faire payer un peu plus les employeurs pour une couverture mutuelle obligatoire. Mais pourquoi on en est arrivé là ? On en est arrivé là par une gabegie conséquente depuis plusieurs décennies, où je vous dis, on a exonéré de cotisations sans compensation, ça en a fait partie. Il y a la situation du chômage qui touche les caisses, l'équilibre des caisses, je l'ai expliqué il y a un instant, et donc on arrive maintenant à des solutions de palliatifs où on fait effectivement payer les entreprises pour une couverture mutuelle obligatoire. Mais ce qui est intéressant sur cette question de couverture mutuelle obligatoire payée à au moins 50% par l'employeur, ça peut être plus en cas de négociation interne dans l'entreprise avec le représentant syndical. Ce qui est important, c'est que toutes les entreprises sont concernées. Toutes. Alors vous me direz, ça risque de mettre en difficulté les petites entreprises. Ça dépend. Vous savez, il y a des moyennes entreprises qui avaient déjà des couvertures complémentaires payées dans le cadre de leur contrat de travail des salariés. Il y a beaucoup d'entreprises qui payaient des mutuelles, mais il y en a qui n'en payaient pas. Effectivement, pour celles qui n'en payaient pas, c'est une charge supplémentaire. D'un autre côté, vous savez, il y a M. Fillon qui va demander aux salariés de France de travailler 4 heures de plus gratuitement. Alors après tout, certains vont s'en rattraper. Oui. Est-ce que, d'un point de vue historique, est-ce qu'on peut revenir brièvement, parce que vous avez d'énormes connaissances, mais alors ça vous embête peut-être que je parle de ça. J'ai vaguement entendu parler que je suis absolument pas un nostalgique de l'ancien régime, hein, j'ai pas assez de culture, puis je pense que c'est pas le. Mais j'ai envie qu'on en parle quand même, parce que je pense qu'il y a même pas de la désinformation, mais une absence d'information et d'études de ces périodes. J'ai appris qu'il y avait, du temps des corporations pré-révolutionnaires, on va dire, sous les rois, qui avaient. Alors, vous avez expliqué que. Enfin, vous m'avez fait un développement pour expliquer qu'une corporation serait éventuellement contre un autre métier. Bon. Non, moi, non, pas tout à fait. Je vous ai dit l'avantage. Il y a un point positif et un point négatif. Enfin, j'essaie de vous traiter à la fois le côté sombre et le côté lumière. Il y a un côté sombre et un côté lumière à la corporation. Je vous ai dit le côté lumière, c'est que la corporation professionnelle permet la transmission des savoirs professionnels. Oui. Mais ça, même avant donc, la révolution. Pas de problème de formation professionnelle en cas de pas de boulot, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On est bien d'accord. Bien sûr, et la corporation encadrait en quelque sorte aussi le salaire. Et d'ailleurs, la corporation négociait le salaire. Et fait aussi. Et parce que, en fait, aussi. Pardon. Voilà, aussi. Ça portait pas ce nom-là, mais il y avait des caisses communes et des mutuelles, en fait, liées au métier. Tout à fait. Pour que quand un tel était malade, il ne crève pas de faim, c'est ça, en fait. Oui. Hein. Mais c'était c'est aussi. Il y avait même des pensions pour les vieux qui ne voulaient plus travailler. Hein, il y avait un système de solidarité, mais ce système de solidarité était un système à cotisation obligatoire, ce que nous avons réussi à faire grâce à la sécurité sociale. C'est-à-dire, la seule chose qui peut marcher en matière de protection sociale et de solidarité entre salariés actifs et ensuite retraités, c'est un système à cotisation obligatoire et non pas un système par capitalisation. C'est-à-dire que dès les corporations, et vous l'avez dit, ça remonte quand même au Moyen-Âge, hein, les corporations. Mais dès cette époque-là, effectivement, il y a un système de solidarité, mais il y a un système aussi un peu élitiste. Tout le monde n'était pas apprenti chaudronnier dans le haut Moyen-Âge. Tout le monde ne savait pas ni lire ni écrire. Certains savaient à peine épeler. Donc, c'est vrai que les systèmes des corporations sont intéressants à étudier et ils ont participé certainement à la création des bourses du travail et la création du syndicalisme moderne, comme d'autres structures philosophiques se prétendent venir des corporations du haut Moyen-Âge. Comme par exemple la franc-maçonnerie, par exemple.
considère qu'elle a des racines, parce que dans les corporations, il y avait aussi les secrets du métier. C'est-à-dire qu'il fallait, à chaque fois, de toute manière, c'est comme dans la vie, le métier est aussi une démarche initiatique, dans la mesure où il faut un certain temps pour apprendre, et c'est un cheminement. S'améliorer professionnellement, c'est un cheminement initiatique. Ça a été travaillé dans les corporations depuis le haut Moyen-Âge. Mais ces corporations étaient assez fermées et pas transparentes, si vous voulez. Vous étiez dans la corporation, vous étiez protégé. Vous étiez juste à côté, vous étiez moins que rien. La sécurité sociale, ça a été un système universel. Donc, finalement, pratiquement plus fraternel et plus généreux. Parce qu'universel. D'accord. Parce qu'universel. Oui. Mais par contre, les grosses corporations faisaient partie, pouvaient être éventuellement convoquées aux États généraux et avaient un pouvoir politique, justement. Officiellement, non, en tout cas pour les. Leur force économique ou leur importance économique dans la société, on est bien d'accord. Officiellement, elles ne l'étaient pas. Aux États généraux, elles ne l'étaient pas. Officiellement. Dans le tiers État, peut-être. Mais c'était incontournable. Non, elles ne figuraient pas comme. Comme partie prenante dans les États généraux avant 1789. Vous pouvez regarder l'histoire. Non. Elles ne figuraient pas encore constituées. Mais évidemment, elles avaient des patentes selon les villes. Vous savez, les villes étaient gouvernées de manière un peu particulière, puisque il y a un système assez. Très différencié. Il y avait une forme de centralisme qui n'avait rien à voir avec. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'elles offraient, quand vous étiez dans la corporation, vous étiez embauché comme apprenti, aujourd'hui, vous avez les compagnons du Tour de France qui est une vague version moderne. Monsieur, excusez-moi, je vous coupe deux secondes. Oui. Au début, j'ai dit que j'allais vous poser deux questions. En fait, j'ai posé peut-être 20 questions, et c'était par rapport à la première. La deuxième, elle va être beaucoup plus courte. Ça va être beaucoup plus court, parce que je crois que je vais arriver à la fin de mon temps d'antenne. Oui. La deuxième question, à un moment donné, vous avez dit que vous ne connaissiez pas de gens qui ont choisi d'être au chômage. Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre des élections présidentielles que vous êtes obligé de tenir ce discours-là, et je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Hein. Moi, personnellement, j'en connais, j'en ai rencontré. Eh bien, écoutez, je vais vous dire très franchement, ils ne méritent pas de l'être. Ils ne méritent pas de l'être. Oui, c'est tout à fait ce que je veux dire, mais monsieur, c'est juste pour vous dire que ça existe. C'est certainement pas votre cas, vous avez certainement travaillé depuis très jeune. Moi, je connais des gens qui, depuis des années et des années... Mais ils vivent de quoi ? C'est toujours les mêmes, mais j'ai croisé des gens qui utilisent à fond le système. Mais peut-être... Je vais travailler tant, après je prends tant la cédille, machin... Non, mais attendez, parce qu'ils font des allers-retours. C'est différent. Ils vivent de quoi ? Dites-moi, ils vivent de quoi ? Moi, vous savez, pour travailler au noir, alors je vais finir avec cette réponse-là. Vous savez, pour travailler au noir, travailler au black, sans être déclaré. Ah, mais je sais, monsieur. Il faut avoir un bon niveau professionnel, parce que sinon, vous n'êtes pas embauché. C'est pas vrai, monsieur. Si vous êtes nul, si vous êtes nul dans votre métier, les gens ne vont pas vous payer. C'est pas vrai. Donc. Mais monsieur, excusez-moi, dans un sens, vous avez raison, mais moi. Moi, je ne vais pas payer quelqu'un au black s'il travaille mal. D'ailleurs, je n'embauche pas au black. Mais si j'étais de ce tempérament-là, je ne vais pas payer quelqu'un au black, en parlant très franchement, s'il est mauvais. Parce que ça ne sert à rien. Parce que vous comprenez que si on vous fait du travail de merde, pardonnez-moi l'expression triviale, mais. Si quelqu'un bosse pour vous et qu'il fait un travail de merde, même si vous le payez 10 euros de l'heure au lieu de le payer 20, mais franchement, à quoi ça va vous servir à la fin ? Franchement. Donc, pour travailler au black, vous savez, les gens qui travaillent au black, eh bien, c'est ceux qui travaillent déjà officiellement ou qui ont arrêté il y a très peu de temps. C'est les jeunes retraités qui peuvent travailler. Ou des sans-papiers. Ou des gens qui sont sans-papiers, mais très bien formés. Et il n'y en a pas tant que ça, mais ça arrive. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui arrivent notamment de Syrie. Vous avez des ingénieurs, hein, vous avez des techniciens, vous avez des gens brillants. Par exemple. Mais non, mais moi je vous cite un exemple. Parce que quand on dit toujours que l'immigration, c'est une immigration de pauvres... Je n'ai pas parlé d'immigration, monsieur. Non, mais moi je vous en parle. J'ai parlé de gens... Non, mais moi, j'en parle... Lui, il n'a pas parlé d'immigration. Non, mais moi, je vous en parle. Il y a des individus qui même travaillent au noir. C'est des Français. C'est des Français, Rémi. Ça, oui, mais les gens qui travaillent au noir, il y a aussi des gens il qui n'a pas sont pas, de l'immigration. Et eux, comme vous dites, je reprends votre propos, eux, c'est pas eux, vous visiez pas eux. Mais moi, je vais vous dire, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de papier, effectivement, et qui ont des capacités techniques et professionnelles.
Et qui ont un métier. Ils n'ont surtout pas les moyens d'être aussi exigeants que les gens qui ont des papiers. Non mais écoutez, c'est mon point de vue, hein, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Ah ben je suis pas d'accord d'être sous-payé. Plus soumis parce qu'effectivement, mais moi je suis pour quelqu'un qui travaille. Un très mauvais salaire ici, par rapport à ce que eux vont pouvoir envoyer chez eux. Écoutez, moi je suis contre le travail clandestin, je vous le dis très franchement. Moi je suis pour que les gens cotisent. En fait, vous m'avez un petit peu interrompu, mais en fait, moi je voulais juste dire, c'était juste une petite. Quand vous avez dit que vous ne connaissez pas de gens qui veulent être au chômage, moi je vous ai dit, j'en connais, j'en ai rencontré, et ce n'est pas des gens qui ne savent pas travailler. Des gens qui. Moi je n'ai jamais touché les acédiques, hein, mais depuis, j'ai bossé dans le bâtiment quand j'étais beaucoup plus jeune. Sans être extrêmement bien formé, mais donc j'étais pas au HQ, mais j'arrivais quand même à travailler, vous voyez. Et dans le bâtiment, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de travail noir. Hein. Bon. Oui, non, mais justement, mais moi, je suis contre. Moi, je suis contre. Je termine, j'en ai pas pour longtemps, monsieur. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai rencontré des gens qui savaient travailler, qui voulaient rester en intérim, pour au bout d'un moment avoir des acédiques, et pendant cette période d'acidique, bah, ils se reposaient un peu et ils faisaient du noir. Ça veut dire que ces gens-là, oui, non, mais attendez. Ça allait travailler. C'est juste pour vous dire que ça existe. Non, mais attendez. Ils profitent d'une période au chômage pour travailler. Ils travaillent d'une certaine façon, mais ils ne profitent pas du chômage pour ne rien faire. Moi, je trouve pas normal qu'ils travaillent au black pendant leur période de chômage. Maintenant qu'ils alternent entre les deux, qu'ils trouvent ça bien, moi, je leur souhaite juste de ne pas tomber sur, justement, les contrôleurs du travail et les contrôleurs ORSAF, hein, ni leur employeur, surtout leur employeur, parce que c'est leur employeur qui doit être pourchassé. Mais moi, je souhaite qu'on prenne le patron et qu'on lui fasse payer un max, hein. Ça, je peux vous dire, parce que le travail clandestin dans ces conditions, c'est une honte. Mais vous citez une branche professionnelle où, effectivement, il y a des abus, mais comme dans d'autres. Maintenant, moi, je vous parlais de quelqu'un qui choisit délibérément d'être au chômage. Vous me dites quelqu'un qui alterne entre des périodes de travail et des périodes de chômage, ce qui est différent. Ça, c'est quelqu'un qui utilise certaines failles du système et il n'est pas contrôlé. Eh bien, bon lui semble. Mais pour moi, c'est effectivement, c'est pas une situation correcte. Évidemment que ce n'est pas une situation correcte. Oui. Par contre, j'excuse, je comprends, lui, l'immigré clandestin, qui est dans la misère, qui n'a pas de quoi bouffer, mais qui a un métier dans les mains, qui n'a pas la possibilité d'avoir son visa. Eh bien oui, momentanément, je comprends cette situation humaine. Moi, je la comprends, cette situation humaine. Je vais citer le cas de la Syrie, parce qu'il y a des immigrés aujourd'hui qui viennent de Syrie, qui sont des gens qui ont des hautes qualités, des fois qui ont des hautes connaissances, la connaissance professionnelle que j'aurais pas d'ailleurs. Donc restons humbles. Et donc qui ont un potentiel, mais en attendant d'avoir des papiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas vivre du peu qu'on leur donne. Ben, effectivement, il y a des situations comme ça. Par contre, celui qui profite, comme vous dites, un petit coup d'intérim, un petit coup de chôme dû. Pendant le chôme dû, je travaille au black. Bah oui, mais ça, c'est les bons boulots. Excusez-moi. Sans indiscrétion, je peux vous demander votre âge si c'est pas indiscret? Moi, j'ai 49 ans. Eh bien, vous voyez, j'ai un an de plus que vous. D'accord, très bien. Non, c'est pour situer à peu près. Et je travaille depuis 16 ans. On parle de la Syrie aujourd'hui, mais vous savez, vous êtes au courant qu'il y a des réseaux qui s'occupent. Moi, j'ai fréquenté beaucoup d'Africains, d'Afrique noire principalement. Hein, c'est lié à mon histoire adolescente. Et j'ai même eu des amis, des amoureuses, qui m'ont expliqué qu'elles connaissaient le système français et les filières pour arriver clandestin, c'est-à-dire illégal, sans papier, et travailler non déclaré, même dans d'autres pays, en Schengen. Et moi, j'ai connu même des filles qui m'ont dit, mais moi, je me suis fait passer pour persécuté, je ne l'étais pas chez moi. Vous voyez ? Moi, je souhaite que le... Je vous entends bien. Je souhaite que la loi soit respectée. Moi, pas les gens. C'est la loi qui est mal faite, je veux dire. Ah non, je suis pas sûr. Au bout du compte, qu'est-ce qui se passe ? Non. Les gens les plus pauvres d'Afrique, s'ils viennent, c'est parce que déjà, eux, sont exploités dans leur propre pays. On est bien d'accord ? On est bien d'accord. C'est bien pire que chez nous. Mais au bout du compte, quand ils viennent en Occident, ils travaillent énormément. Mais gloire à eux, bravo. C'est des gens très courageux. Mais au bout du compte, quand c'est eux qui travaillent, moi je vous dis, pendant 2 ans, si vous demandez l'asile en France, vous restez 2 ans, vous n'avez pas le droit de travailler, vous avez une allocation minimale. Donc pendant ce temps-là, soit les gens vont à l'étranger, alors qu'ils n'ont pas le droit, en Hollande par exemple, où ils peuvent travailler tout de suite, ils font double demande, voire triple,
Mais s'ils restent en France, ils sont obligés de travailler au noir. Oui. Et dans l'histoire, ben, ils travaillent pour des gens, je veux dire, qui prennent de la plus-value. On est bien d'accord. La plus-value du paradis capitaliste patron est plus importante. Vous comprenez? Mais je suis d'accord avec vous. C'est un chômeur avec des papiers en France. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. C'est pour ça que je me bats, pour qu'on arrête et qu'on recrute à nouveau des contrôleurs et des inspecteurs du travail. Parce que vous avez quand même... Moi, je connais un inspecteur du travail sur Paris qui a dans son portefeuille 100 000 entreprises. 100 000 entreprises. Vous savez combien il peut en contrôler sur Paris par an? Par an, je ne sais pas, 10. 150, 200. Allez, non, 150. Allez, 100. Allez, 200. Voilà. Et il a un portefeuille de 100 000 entreprises. Alors, parmi ces 100 000 entreprises, il y a les 100 entreprises individuelles. Il y a une multitude d'entreprises individuelles, bien sûr, où il y a un ou deux salariés, mais 100 000 entreprises. Alors, que voulez-vous? Eh bien, il y a des gouvernements qui ont encore plus supprimé d'inspecteurs du travail que d'autres. Moi, je suis pour qu'on réembauche des inspecteurs du travail et qu'on fasse respecter la loi. Parce que la loi républicaine, elle doit s'appliquer aussi dans le monde du travail. Et là où vous avez raison, c'est que bien sûr que ça crée une distorsion de concurrence et un dumping social phénoménal dans ces conditions. Parce que moi, j'en veux pas à ceux qui viennent et qui veulent travailler. J'en veux à ceux qui les emploient. Parce que ceux qui les emploient, ils participent justement à la baisse des salaires. Ce que vous aviez dit au tout début de votre intervention, parce que vous aviez envie de faire passer ce message et vous avez... Et je partage votre message d'ailleurs sur ce dumping salarial notamment. Parce qu'on a le droit d'être généreux, en France comme en Europe, mais on a aussi le devoir de faire respecter les lois de la République et également certaines dispositions européennes qui ne sont pas toutes défavorables aux salariés, à savoir que le travail clandestin, normalement, c'est le donneur d'ordre qu'on commence par sanctionner, pas celui qui travaille. C'est l'employeur qu'on doit sanctionner et qu'on doit mettre éventuellement en prison. C'est pas le salarié. C'est pas un gros employeur et qui est capable de vous dire, écoutez, moi, si vous me condamnez trop... Mais c'est du chantage. Le chantage à l'emploi, on connaît ça partout. Vous savez, moi, j'ai été élu local. Quelqu'un qui voulait un agrandissement de grande surface a dit, si vous me la donnez pas, je mets mes salariés au chômage. Alors, vous savez, le chantage à l'emploi, on connaît. Voilà, Diane, il est parti puisque le temps est passé. Ça coupe automatiquement. Voilà. Mais vous êtes sur 95.2 FM Radio ici maintenant. Vous écoutez notre émission de 26 novembre 2016 en direct. Nous sommes en direct avec vous. Il est pile 00h30 et j'ai le plaisir de ce soir recevoir monsieur Rémi Auffray, syndicaliste, qui peut répondre à beaucoup de questions, surtout tous ces problèmes que notre pays rencontre, la France rencontre, précarité, pauvreté, chômage, et énormément de problèmes que le couche sociale, le plus modeste, il est. Et de l'autre côté, les capitalistes qui volent toujours les gens, qui vivent en paradis pour eux, c'est ici et maintenant. C'est maintenant ils ont le paradis et les autres ils ont l'enfer, mes chers amis. Voilà.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et RNT Radio Numérique Terrestre, canal 9A. Et également sur Internet dans le monde entier, icietmaintenant.com. Chaque dernier samedi du mois, dès 23h, David Abassi, écrivain et historien, est avec vous. Rémi Auffray, syndicaliste, est son invité ce soir. Vous pouvez vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Oui, alors on va parler de Société Générale aussi, Rémi. Surtout, Farid, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Farid. Oui, bonsoir David. Merci. Bonsoir monsieur, je ne me rappelle pas de votre prénom. Rémi. Rémi, bonsoir Rémi. Bonsoir. Bah, écoutez, moi j'ai pris l'émission il n'y a pas très longtemps, et j'ai cru comprendre que vous parliez des droits des travailleurs, et du système de l'emploi en général. Et je crois que moi je suis tout à fait d'accord avec le peu que j'ai entendu, mais ce que vous avez dit. Et je crois que le système est très complexe, mais je crois qu'il est un peu voulu. Parce que ça enrichit, lorsqu'il y a des failles dans le système, ça enrichit toujours les plus riches, les patrons, les donneurs d'ordre, puisqu'ils profitent de la misère des gens en général, que ce soit des sans-papiers, que ce soit des salariés en règle. Pour ainsi dire, pour faire la baisse des salaires. Donc on a réussi à mettre les uns contre les autres, puisque les clandestins et les réguliers, d'une certaine manière, sont en concurrence. Bien sûr. Puisque le gars qui est en situation régulière, qui va se présenter chez un patron, il en a dit, écoute, tu te demandes trop cher, moi j'ai quelqu'un pour moins cher que toi, bon, parce qu'il n'y a pas de cotisation, parce que je paye moins cher, et parce qu'il n'a pas de documents, il n'a pas de papier, par conséquent, je peux gagner plus d'argent en faisant travailler quelqu'un comme ça. Donc c'est une histoire de dingue. Moi, le travailleur sans papier, il a le droit d'essayer de travailler pour donner sa croûte, je comprends. Mais quelle est la solution? Parce que les inspecteurs du travail, ils n'arriveront jamais à mettre suffisamment d'inspecteurs du travail pour contrôler tout le monde. Bah. Et je crois que le système tel qu'on nous l'a présenté, tel qu'on veut nous le faire encore plus maintenant avec Fillon, c'est que c'est au plus malin. Plus fort, au plus malin. Et le plus malin, bah, c'est certainement pas le salarié ordinaire qui n'a pas forcément toutes les compétences requises déjà, et puis qui voudrait avoir une couverture sociale et ainsi de suite. Et celui-là, c'est lui le grand perdant, c'est celui-là. Mais écoutez, vous avez... Moi, je partage ce que vous venez de dire. Et je le dirai aussi... Il vous entend mal, hein. Oui. Vous m'entendez, là? Ça mieux? Oui, oui, c'est mieux. Bon, je partage ce que vous venez de dire. Je le dirai un peu différemment. Bah, d'abord, la première chose, c'est, selon la formule, savoir, c'est pouvoir. C'est-à-dire, quand vous connaissez vos droits... En général, vous défendez bien. Et quand on est salarié, on ne connaît pas toujours ses droits. Et notre problématique, c'est que notre système, aussi bien en France comme en Europe, on est en train de dériver un petit peu à l'américaine sur ce qu'on appelle la judiciarisation. En gros, si vous n'avez pas d'argent pour payer un avocat, c'est pas facile. C'est-à-dire, heureusement qu'il reste encore les syndicats. Je ne vais pas faire de la pub pour le truc, mais quand même, pour essayer de se défendre. Heureusement qu'il y a encore des structures comme le Conseil des Prud'hommes, etc., pour se défendre. Donc tout n'est pas négatif. On noircit le tableau parce qu'on est, on est extrêmement déçu par tout ce qui se passe, voire même en colère. Maintenant, vous dites, on ne pourra pas contrôler toutes les boîtes. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que ce qui est honteux, c'est qu'on supprime... encore plus d'inspecteurs du travail. C'est ça qui me choque. Ah oui, oui.
C'est-à-dire qu'on continue dans la spirale. C'est pas parce qu'évidemment, contrôler toutes les entreprises de France et de Navarre, c'est pas, ça sera certainement pas possible. Mais au moins qu'on continue pas sur la pente dangereuse d'exonérer des patrons voyous, parce que ce que vous venez de me dire, vous venez de me décrire un patron quasiment voyou. Parce que quelqu'un qui vous dit « je vous embauche pas parce que j'ai quelqu'un de moins cher », de deux choses l'une, soit il ne connaît pas sa convention collective, parce que dans les conventions collectives, il y a quand même évidemment une grille de salaire, donc il doit la respecter, donc on doit respecter les conventions collectives. Et s'il vous dit ça, c'est que bien entendu, vous pouvez supposer qu'il va embaucher quelqu'un qui ne sera pas déclaré officiellement selon la convention collective. Oui, je me suis mal exprimé. En fin de compte, il ne le dit pas. Il le dit pas. Non, mais bien sûr, il ne le dit pas. Mais s'il vous dit qu'il a quelqu'un de moins cher, alors que vous êtes dans les clous, vous êtes déclaré officiellement, etc., ben je me demande, il faut lui demander, ah bon ? Demandez-lui aussi combien moins cher. Mais évidemment, cette situation, elle est pénible. Mais moi, je vais vous dire... Il faut informer l'inspecteur du travail, hein. Il faut le dire. Hein. C'est pas de la dénonciation, mais c'est complètement dégueulasse. Parce que si on continue comme ça, les salaires vont plus du tout être respectés, on va faire tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui se fait. Ça relève quand même d'une politique générale, parce que, mis à part ce côté-là, bien précis, il y a aussi la concurrence avec des pays qui n'ont pas les mêmes droits. Ouais, non, mais attendez, entre nous. Alors, oui, il y a... Alors, il y a à peu près la même chose. Hein. Alors, attendez. Il y a des tâches, il y a des fonctions en France, on ne peut pas faire venir des gens de l'extérieur pour les faire. Il y a des services de proximité, ce n'est pas évident. C'est-à-dire, quand vous faites venir un travailleur, soit il est détaché, et alors là, il y a un débat en Europe, effectivement, le travailleur qui est détaché pour 6 mois de Pologne, de Slovaquie ou de Roumanie, qui travaille avec un salaire payé à coup de lance-pierre, là vous avez raison, mais on se bat contre ça, nous. Tous les syndicats se battent contre ça. Sauf que faut qu'on le sache. La concurrence, même s'il y a des compétences suffisantes, et puis qu'il y a la demande ici, dans le sens où, par exemple, moi je reçois 5-6 coups de fil des fois dans la journée, ce sont des plateformes qui m'appellent de l'étranger. Hein. Oui, je sais. Bon, ben, pourquoi toutes ces plateformes-là ? Vous croyez qu'il n'y a pas des gens suffisants pour le faire ici ? Mais, si, mais en ce qui concerne le travail, entre guillemets, virtuel, c'est-à-dire toutes les plateformes téléphoniques de renseignement et tout, moi, évidemment, vous savez, moi, j'ai été chez SFR il y a quelques temps. J'étais abonné à SFR. Bon, moi, j'ai appelé 2-3 fois à la plateforme, j'ai compris qu'ils étaient au Maroc et qu'ils ne savaient pas que le 9e arrondissement de Paris, c'était le 9e arrondissement de Paris. Ah bah. Et le coup de vis, excusez-moi, le coup de vis, c'est que bon, moi-même, je suis d'origine étrangère, parce que Farid, c'est pas français, hein, même si je le repense depuis très longtemps. Je reçois des coups de fil, c'est de l'arnaque, mais gros comme une maison. Le gars, il a un accent à couper au couteau. Bon, lui, il fait son travail, je le dénonce pas, lui. Hein, oui. Je ferais peut-être pareil que lui, hein, même pour être en bon moment. Lui, il cherche à avoir un travail, il s'en fout. Ah, le sûr. Gars, il se fait appeler Gérard ou Jean ou oui. Michel. C'est risible. Alors qu'il a un accent à couper au couteau, oui. Je connais pas Paris. Et puis il s'appelle Mohamed. C'est des consignes qui ont été données, ça. Non, mais ça, c'est du... Si vous voulez, ce type d'emploi, ils peuvent le faire. Que voulez-vous ? Ça, c'est comme Amazon et Google. Ils piquent de l'argent. Ils vendent des choses en France et ils payent 3 fois rien comme impôt en France. Et soit ils payent en Irlande, soit ils payent au Luxembourg. Mais bien sûr que là, il y a un scandale. C'est-à-dire que la richesse qui est produite en France, elle doit être taxée en France. On est d'accord. Maintenant, les plateformes téléphoniques, alors ça, c'est vrai que c'est un vrai cauchemar. Moi, j'aime pas ça non plus, ça c'est clair. Mais on a du mal à contrôler, si vous voulez, la richesse qui est produite. Est-ce qu'elle est produite en France ou pas ? Mais quand vous appelez une plateforme téléphonique, évidemment, votre appel est renvoyé, par exemple, au Maroc. Ça, c'est une vraie difficulté. Mais ce qui est pire dans l'emploi, c'est la chose que vous avez dit, quelqu'un qui vous dit « Moi, j'ai trouvé moins cher que toi ». Ça, il y en a qui osent le dire. Mais aussi la situation des travailleurs détachés. C'est un vrai débat en Europe, mais il n'y a pas que la France qui est concernée. Hein. L'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, ils sont concernés par les travailleurs détachés. Et là, il y a du vrai esclavagisme, il y a du vrai... Mais parce qu'en Europe, chaque droit social reste au niveau de la nation, de chaque pays. Et les patrons se battent contre nous, contre les syndicalistes, contre certains parlementaires européens, parce qu'ils ne veulent pas de législation
qui évite justement du dumping social et salarial en Europe. Et c'est ça la problématique. C'est qu'on a fait la construction européenne au niveau de la libre circulation des marchandises, des biens et des personnes. Par contre, le droit social, il reste national. Mais la problématique, c'est que normalement, un étranger qui vient en France, un travailleur étranger qui vient en France, doit être payé au salaire français. Mais il y a un espèce de système de travailleurs détachés qui permet de s'exonérer de ces responsabilités-là. Et ça, c'est une honte. Et il y a un deuxième sujet qui est important aussi. C'est que la construction européenne nous permet parfois de déstructurer certains métiers. Je vais vous raconter une anecdote que moi, je connais bien. Un conducteur de train. Vous êtes en train de me dire, un conducteur de train, il a forcément un salaire. Eh bien, dans certains pays d'Europe, ils sont en train de réfléchir et de tester, écoutez bien, le conducteur de train prestataire de service, c'est-à-dire qu'il ne serait plus salarié. C'est-à-dire qu'il répondrait au boulot à la demande, comme un tâcheron. Vous vous rendez compte? Alors que c'est soi-disant un métier de sécurité, etc. C'est un peu comme si on disait un pilote d'avion, demain matin, il pourrait être prestataire de service. Ça, c'est grave. Parce que vous avez très bien compris, quand vous n'êtes pas salarié, vous êtes soumis à l'autorité d'un seul employeur, vous ne pouvez pas vous défendre par un syndicat, vous ne relevez pas d'un contrat collectif de travail, c'est-à-dire vous ne relevez pas d'une convention collective. Donc vous êtes isolé, et donc vous êtes exploité. Eh bien, l'histoire des travailleurs indépendants, ou comment on appelle ça, de l'auto-entrepreneur... Les Uber. Les Uber, par exemple, ça participe. On va supprimer le salariat, tout le monde sera de prestataire de... par rapport à ses compétences, quoi, son domaine. Son et vous trouvez que c'est moderne? Et vous trouvez que c'est positif? C'est pas moderne, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez il faut faire des lois. Le travailleur autonome, l'auto-entrepreneur, c'est ça. Eh bien non, mais il faut faire des lois, il faut faire des réglementations européennes, il faut faire des directives pour faire en sorte que la plupart des métiers soient protégés de ça, parce que on ne peut pas donner des métiers qui sont des métiers... sécurisés, comme dans le bâtiment, comme dans l'industrie automobile, comme dans le pilotage d'avions, comme dans la conduite de train, comme des métiers comme ça, on ne peut pas les donner à des travailleurs prestataires services. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas soumis, par exemple, à une réglementation du temps de travail. Vous imaginez, vous, un conducteur de train pouvoir conduire 14 heures par jour? Ou un pilote d'avion faire... Regardez les fameux conducteurs, la VTC, ils font 15 heures par jour. Heures de travail. Oui, mais je partage. Mais bien sûr que c'est un scandale. Mais je suis d'accord avec vous. Mais je dis pas que c'est normal, ça. Je dis qu'il faut le réglementer. Même les prestataires. Mais le problème, c'est que apparemment, les syndicats n'ont plus la puissance qu'ils avaient d'antan. C'est pas ça. Puisque cette mondialisation, c'est complètement déstructuré tous les paramètres, tous les repères, parce que bien entendu, mais ça a complètement déstructuré, c'est-à-dire que les syndicats sont dépassés, ils ne savent pas par quel bout prendre le truc, et puis ils n'arrivent même pas à recruter une adhésion. Les syndicats, il y a de moins en moins de gens syndiqués. Hein. Oui, mais la problématique, c'est que les syndicats, au départ, depuis le début, ils ne syndiquaient que des salariés. Et qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir, on est en train d'organiser, par exemple, les travailleurs de chez Uber. Ceux qui bossent pour Uber, les conducteurs de VTC Uber, on essaie de les organiser. Donc vous voyez qu'on n'essaie pas d'être, on n'est pas spécialement à la traîne. Mais la société nous dépasse tous aussi, et puis il faut courir après. Uber, on ne l'a pas vu arriver. Il y a 5 ans, 6 ans en arrière, est-ce que vous auriez pu prévoir la formidable montée en puissance d'Uber, par exemple? Ben non, on n'y voyait pas arriver. Non, pas du tout. Eh ben nous non plus. Quand même, les hommes politiques et les financiers en général, eux, ils peut-être. Ont bien compris le jeu. Ah mais on est d'accord. La dérégulation, ça les arrange beaucoup. Ah mais complètement, parce que ça baisse le coût du travail. Et baisser le coût du travail, c'est baisser à la fois les salaires, c'est d'augmenter l'âge de départ en retraite, c'est de baisser votre pension de retraite, c'est de vous appauvrir, bien entendu, mais de travailler plus pour gagner moins. Mais il y a la fameuse mondialisation aussi. Alors, la mondialisation, c'est-à-dire que c'est l'ouverture totale du marché sans aucune, équivalence dans règle. Le sens où... Non, mais je comprends ça. Avec très peu de règles. On parle de compétition. La compétition, si vous prenez un gars qui fait 150 kilos comme un boxeur et puis l'autre qui fait 60 kilos... On est d'accord, c'est pas équitable. Même ring, hein. Ça s'appelle la concurrence déloyale, on est d'accord. Parce que la concurrence, voilà, oui, mais encore faut-il qu'elle soit fair
play, c'est-à-dire avec des niveaux de salaire, des niveaux de protection sociale équivalentes, la concurrence ne doit jouer que par rapport aux connaissances professionnelles. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Mais nous, sur le terrain... Sinon, je ne sais pas ce que vous pensez de la proposition de François Fillon de mettre la sécurité sociale, la protection de la sécurité sociale pour ce qui concerne la maladie, que pour les maladies graves et de longue durée. Écoutez, moi, le problème, c'est qu'on va devoir... vous savez, quelqu'un qui a des petites maladies... c'est quoi une... Moi, j'ai peur qu'on fasse un tri dans les salariés et que François Fillon est en train d'imposer de nouvelles dépenses aux salariés et aux retraités et aux chômeurs. C'est ça que j'ai peur. Honnêtement, c'est ça que j'ai peur. Ça relève d'un ensemble ou, par exemple, si vous prenez... Le problème, ce n'est pas la dépense. Je vais vous dire, au risque de vous choquer, le problème, ce n'est pas la dépense maladie. C'est la recette. Par exemple, si vous prenez l'EDF, le GDF, la SNCF, la Poste et d'autres, même les hôpitaux, bientôt, il n'y aura plus d'entreprises, c'est-à-dire nationales, il n'y aura que du privé partout. Oui. Et la Sécu, ça en fait partie. Oui. Mais donc vous avez raison. Dans un chemin, on nous grignote de jour en jour, où on nous privatise de plus en plus. Les sociétés ne sont plus des sociétés de service, ce sont des sociétés de commerciales. Oui. Mais je suis d'accord donc avec ce que vous venez dans un domaine où le commerce est le maître mot, et par conséquent, dans le commerce, les bénéfices, la rentabilité, les dividendes, les actionnaires, et il n'y a plus de lien entre solidarité entre les uns et les autres. Oui. Mais vous avez complètement raison. Mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut se battre contre. Il faut proposer des solutions, notamment de nouvelles recettes pour la Sécu, notamment pour que, quand il y a des exonérations, je l'ai répété tout à l'heure, et bien que l'État compense, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on essaie de travailler tous et travailler moins. Parce que moi, je pense que la réduction du temps de travail, c'est une revendication historique, pas que du mouvement syndical, mais pour tous les humains. Parce que je pense qu'on a assez de travail pour tous, mais qu'il faut mieux répartir le travail, c'est une évidence, et parce qu'on a beaucoup d'efforts à faire pour se reconvertir. Et je pense que tous les emplois ne sont pas délocalisables. C'est-à-dire qu'on tente de nous faire croire... En dehors des humains, lorsqu'il y a un supermarché qui avait, par exemple, 10 caissières ou 15 caissières, puis qui arrive à mettre un appareil pour... des appareils, c'est-à-dire des robots. Vous avez raison, mais je vais vous dire... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les taxe de la même façon ou pas? Mais je vais vous dire, si vous connaissiez le travail de la caissière, franchement, je ne sais pas si vous seriez favorable pour maintenir... Je ne parle pas des emplois, hein. Je parle de la profession de caissière. Parce que vous savez, aujourd'hui, la caissière, elle travaille 4 heures le matin, elle prend 6 heures... d'espace-temps, 6 heures d'intervalle ou 7 heures, c'est-à-dire en gros, certaines caissières travaillent 8 heures, 11 heures, puis le patron lui demande de revenir à 17 heures, jusqu'à 20 heures, 21 heures. Donc le travail de caissière, c'est le travail le plus éprouvant aujourd'hui, et surtout avec le plus d'intervalle dans l'organisation du travail journalier. C'est un travail extrêmement pénible. Moi, je vais vous dire, même en dehors des caissières, je crois pas... Non, mais vous citez un exemple par rapport à l'automatisation, etc., la technique. Voilà, c'est ça. Voilà, moi, je vais vous dire, la caissière, c'est pas un travail d'avenir. Hein. Par contre, vous avez vu le nombre de personnes le nombre de personnes âgées qui, aujourd'hui, sont en état de dépendance, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'accompagnement pour mieux vivre, pour vivre dignement leur vieillesse, qui sont en train, des fois, de crever dans des mourvoirs, là. Vous avez vu le nombre de personnes dont on a besoin, des services, les métiers d'aide à la personne. Vous avez vu combien il y a des gens qui ont besoin d'autres personnes. Vous ne croyez pas qu'il y a des nouveaux métiers là qui peuvent, dans les métiers de service, d'aide à la personne, qui peuvent se développer au lieu d'être caissière? Moi, je vais vous dire, l'avenir, c'est pas d'être caissière. Hein. Franchement, il faut faire une croix là-dessus. Bien sûr que ça supprime des emplois. Mais les gens qui sont aujourd'hui dans ces emplois, ou les gens qui perdent leur emploi, il faut qu'on les reconvertisse dans un autre emploi. Mais l'avenir, c'est pas qu'elle reste caissière, je vous le dis. Il y a d'autres besoins ailleurs. Mais on n'est pas capable, dans notre beau pays de France, d'organiser ça, de s'engager, franchement, dans la refonte des emplois. Il y a des emplois qui existent encore aujourd'hui, mais qui n'existeront plus demain matin. Par contre, ce qui est scandaleux, c'est la structure de l'emploi, on en parlait tout à l'heure. Le salaire,
ça permet quand même d'avoir un lien parce qu'il y a une subordination à un employeur, mais il y a une convention collective, c'est-à-dire un contrat collectif de travail. Tandis que quand vous êtes tout seul, quand vous êtes prestataire service, on le disait tout à l'heure, ça c'est beaucoup plus dangereux. Donc moi je suis toujours pour le contrat collectif. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a de moins en moins de gens syndiqués ? Les syndicats ne sont plus aussi puissants qu'il y a 40 ans. Je vous ai dit, les syndicats n'ont jamais été... Alors, vous n'étiez pas là au début de l'émission. Les syndicats n'ont jamais été très puissants en France. Leur seuil maxi, ça a été 18%. Alors, on me dira aujourd'hui, ils sont officiellement 8%, donc c'est catastrophique. Mais il y a eu deux pointes, je crois, à 50 ou 70% de syndiqués. C'est 1936 et 1968. Et pourquoi on a cette situation en France ? Parce qu'en France, l'adhésion à un syndicat est plus une adhésion d'idées. Dans d'autres pays, si vous n'êtes pas syndiqué, vous n'avez pas votre assurance chômage. Vous comprenez pourquoi il y a 85 ou 90% de syndiqués dans ce cas-là ? Ah oui, d'accord. Vous avez pigé. Oui, oui, oui. Vous avez dans les syndicats du Nord, vous avez un syndicat unique. Vous n'avez pas le pluralisme syndical, mais dans certaines boîtes, ils sont forcément 95% de syndiqués dans le syndicat unique. Donc le syndicalisme, il est différent selon les pays européens. Et aux États-Unis, c'est même pire, parce que pour créer un syndicat dans une entreprise, vous savez que vous êtes obligé de faire une pétition, et il vous faut 50% plus un salarié pour créer la section syndicale. Sinon, aux États-Unis, vous ne pouvez pas créer une section syndicale dans une entreprise. Il vous faut avoir les noms, les prénoms. Et aux États-Unis, s'il y a encore moins de syndiqués qu'en France... C'est parce que les patrons, écoutez, ils luttent contre ça. Il y a des sociétés qui ont réussi à partager dans la même société en différentes structures, en différentes divisions, avec des noms différents. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, pour échapper à cette loi, au lieu d'avoir 50 ou 51 personnes dans une société, et pour éviter les CE, 5 sociétés de 20 personnes. Ben oui, pour éviter soit les délégués du personnel, soit... Ben oui, mais ça arrive. C'est le système anglo-saxon. Hein. Ben oui, mais si vous voulez, bon, souvent, nous, au niveau des syndicats, on proteste en justice, parce qu'on arrive aussi quand même à faire condamner certaines directions d'entreprise qui, justement, font ça pour éviter d'avoir une représentation du personnel. Bien sûr, mais ça, on se bat tous les jours. Ouais, j'ai mon fils qui travaille pour une multinationale de recrutement. Ils sont dans le monde entier. En France, ils sont plus de 700 ou 800 personnes, mais ils n'ont pas de représentation syndicale, puisque chaque 10, 15 personnes représentent une société. Ah bah oui, mais ça c'est... Ça, faut... Il y a des moyens de dénoncer ça. Il y a des moyens aussi de dénoncer ça en justice, bien entendu, et de protester quand on arrive à faire le lien avec toutes les entités. Hein. Mais ça, c'est des batailles judiciaires. C'est ce qui est pénible aussi pour les organisations syndicales, parce qu'on est obligé de plus en plus, vous savez, on est obligé d'aller en justice, au prud'homme, mais pas seulement, hein, en tribunal d'instance, en tribunal de grande instance. La bagarre n'est pas simple. Je crois que c'est au niveau politique, c'est plus au niveau syndical. Là, on doit se battre aussi au niveau politique. Bon, bah, écoutez, vive Mélenchon. Je n'ai pas de commentaire à faire. Pour discuter. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, monsieur. Merci, Farid. Merci, Bonsoir, Farid. Voilà, c'était Farid avec nous et nous sommes avec M. Rémy Auffray, syndicaliste, ce soir avec nous. Voilà. 26 novembre, c'est terminé. Ça fait quelques minutes que c'est le 27 novembre. Comment c'est ? Exactement 55 minutes et vous êtes sur 95.2 FM. Vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 95.2 FM. N'oubliez pas que même avec votre smartphone, avec votre téléphone portable, vous soyez n'importe où dans le monde, en appuyant ici et maintenant.com, vous pouvez nous regarder. Vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé, partout dans le monde, comme je viens de constater, puisqu'on l'envoie également sur le Persian CNN.tv, et comme ça on va voir les gens qui sont en train de nous voir, nous avons des clients de partout dans le monde, voilà, qui sont en train de nous écouter, tous les francophones, puisque... comme vous savez, voilà. De toute façon, le sujet est très intéressant, Rémy, ce soir, syndicalisme et les problèmes qu'on peut rencontrer. Et encore, je suis content que Rémy m'a dit qu'il va rester avec nous encore et, pour qu'on puisse parler encore sur plusieurs d'autres sujets, n'est-ce pas, ensemble.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et RNT Radio Numérique Terrestre, canal 9A, et également sur Internet dans le monde entier, icietmaintenant.com. Chaque dernier samedi du mois, dès 23h, David Abassi, écrivain et historien, est avec vous. Rémi Oufray, syndicaliste, est son invité ce soir. Vous pouvez vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 FM. Nous sommes avec Rémi Oufray, syndicaliste, ce soir. Beaucoup de questions, bien sûr, mais comme il vient de dire, Rémi, on ne peut pas parler de syndicats des travailleurs sans parler de politique. Et surtout, on ne peut pas parler des riches qui volent sur le dos des pauvres. Tu viens de parler de... parachute, mais beaucoup d'autres choses, surtout histoire de Société Générale. Tout à l'heure, avant de prendre Farid, tu voulais nous dire quelque chose. Voilà, tu as la parole, Rémi Oufray, on vous écoute. Écoutez, bon, parfois on est un peu surpris, on a tous un peu peur de cette grande transparence à travers les réseaux internet, les informations qui surgissent. Mais il faut quand même avouer que ce qu'on a appris récemment de la part de la Société Générale, à nouveau cette banque, qui a été révélée dans le fameux scandale des Panama Papers. Alors, Société Générale, une banque française bien connue, déjà il y avait l'affaire Kerviel, une affaire scandaleuse, elle aurait ouvert près de 1000 sociétés offshore via un cabinet d'avocats panaméen. Alors 1000 sociétés offshore, c'est quoi? Bon ben, en fin de compte, c'est quoi? C'est des petites machines à laver le fric. C'est des petites machines financières, des petits objets destinés à éviter de payer les impôts là où vous faites les profits. En gros, vous faites des profits en Europe, hein, grâce aux petites sociétés offshore, ça vous permet d'externaliser vos profits et de rien payer en Europe et notamment en France, donc c'est assez sympathique. Et donc, comme disait notre président de la République, notre ennemi, c'est la finance. Alors, pas n'importe quelle finance, la finance internationale, celle qui n'a pas de frontières, celle qui se fout parce que l'argent n'a pas d'odeur et n'a pas de patrie. Et en fin de compte, on en revient toujours au même, cette question de la finance. Vous avez eu récemment l'élection de Donald Trump. C'est intéressant cette élection et c'est intéressant ce qui s'est passé à travers le fameux débat sur le CETA. Vous savez, cet accord Canada-Europe. Au milieu de cette grande discussion, signature ou pas, d'un accord entre le Canada et l'Union européenne, il y a eu un espèce de nain qui a d'ailleurs été méprisé par une bonne partie de la classe politique
et une partie de l'establishment, comme disent certains, et des hauts fonctionnaires de Bruxelles, comme d'ailleurs, c'est la région Wallonie. Alors, qu'est-ce qu'il a pris ? Qu'est-ce qui a pris à cette région de Belgique de s'opposer à la Corsetta ? Écoutez, il y a eu un élément très intéressant, d'ailleurs, qu'on a connu en France à travers le tribunal arbitral, vous savez, cette affaire Tapie, où justement, pour le Crédit Lyonnais, un ancien ministre de droite a fait un beau canot à un ancien ministre de gauche, Passons. Et donc, l'histoire du tribunal arbitral, ben, c'est tout simplement le fait que dans le cadre d'un accord commercial international, comme le CETA, si certaines entreprises étaient gênées par des normes sociales, environnementales, nationales, publiques, eh bien, ils pourraient s'en remettre et protester auprès d'un tribunal arbitral qui pourrait juger que, puisque cet accord commercial est menacé, eh bien, on donne raison aux plaignants, à savoir aux entreprises qui se moquent de l'environnement comme du social. C'est le principe même du tribunal arbitral. Le tribunal dit arbitral permet de s'exonérer des règles sociales et environnementales nationales. C'est tout simplement un scandale, une outrance, une funeste, non pas blague, puisque nous sommes bien dans le monde réel. Et cette petite région de Belgique a été finalement la seule collectivité territoriale à relever le niveau dans le débat européen, au moment du débat justement autour de la négociation ou pas de cet accord avec le Canada. Et là, on peut dire merci. On a souvent des blagues sur les Belges, mais cette fois-ci, on n'a pas de blagues à leur faire, mais à leur dire mille fois merci. Et puis, on voit arriver l'élection de Donald Trump. Ah, Donald Trump. Une de ses premières réflexions, je ne parle pas du mur qui sera payé par le Mexique et construit, bien sûr, entre les États-Unis et le Mexique. Je parle notamment sur sa remise en cause du fameux TIPP, donc le fameux traité transatlantique en cours de négociation. Bon, en cours de négociation, certes, c'est pas vraiment très net. À l'heure de Wikileaks, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'aussi dans le projet de TIPP, ben, il y a toujours d'ailleurs, puisque le texte existe toujours, le principe du tribunal arbitral qui, je le rappelle, permet vous justement de vous exonérer de certaines règles sociales et environnementales. Et en fin de compte, c'est là qu'on se dit que Trump, il est presque en train de nous rendre service. Parce que, au final, ce traité transatlantique, il est presque plus intéressant pour les États-Unis que pour l'Europe. Vu la capacité des Américains à bouffer de la merde, et vu leur capacité à empoisonner leur sol avec les gaz de schiste, on se dit vraiment qu'on a échappé au pire. Donc franchement, de ce côté-là, on peut lui dire chapeau. Si le TIPP, on peut mettre un voile noir dessus et l'enterrer sous 3 mètres de sable, ça serait pas mal. Pourvu simplement que la marée des conneries ne réveille pas dans quelques années ce TIPP. Maintenant, c'est pour vous dire que dans le cadre de la mondialisation, bah, elle n'est pas du tout heureuse. L'internationalisme, oui, la mondialisation, décidément, c'est quand même pas chapeau, chapeau. Et donc, on a toutes les raisons de s'inquiéter. Mais heureusement, on peut compter quand même sur les Belges pour nous ramener à la dure réalité et justement à une bonne et saine réaction. Alors, j'en reviens au Panama Papers. Les Panama Papers, ça participe avec Wikileaks à l'affichage, en fin de compte, du cynisme d'une certaine classe dirigeante. Pas tous, mais une bonne partie. Vous avez eu l'affaire Barroso. Alors Barroso, c'est assez symptomatique. Le scandale de la Grèce. Bon, d'accord. Faut être honnête. Les Grecs, ils n'ont jamais eu l'habitude vraiment de payer beaucoup d'impôts. Plutôt d'ailleurs, les armateurs, assez truands. En général, la haute bourgeoisie grecque, elle déclarait pas grand-chose. Un petit peu comme certains Corses, très peu de Corses, hein, je tiens à le dire, déclaraient beaucoup de vignes, et finalement, quand c'était vérifié par les images satellitaires, les aides agricoles européennes étaient retirées quelques temps plus tard. Eh bien, les Grecs, c'est un petit peu pareil. Les Grecs, pas tous les Grecs. Parce qu'il y a quand même une large partie de la population grecque qui a beaucoup souffert de cette situation. Et il faut dire quand même que le budget de l'État grec, il y a quelques années, il a été monté par une banque. Du moins, une banque américaine,
Goldman et Sachs, a conseillé l'État grec pour faire en sorte que l'État grec camoufle des dettes, notamment des dettes pourries. Bon, c'est comme ça d'ailleurs que la Grèce a certainement réussi son passage et son entrée dans l'Union européenne. Mais ce qui est pire, c'est que quelques années plus tard, 18 mois je crois plus tard, un ancien président de la Commission qui s'appelle Manuel Barroso a trouvé la formidable idée d'aller travailler pour cette banque qui a contribué au scandale de la Grèce et de l'Union européenne. Alors ça, si c'est pas du cynisme, on se demande vraiment ce que c'est. C'est à vomir, tout simplement. Et effectivement, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que peut-être le Parlement européen prenne une décision, après tout, de suspendre de sa pension M. Emmanuel Barroso. Parce que franchement, après ce qu'il a fait, il ferait mieux d'être rayé des tablettes de l'histoire de l'Union européenne. J'ai dit. Très intéressant, parce que la finance, toujours, est un rôle assez important dans l'économie et politique mondiale, internationale, bien sûr. Et c'est la seule chose, Rémi, qui est la politique. On peur de le toucher. Alors, Hollande, il avait parlé sur la finance, ses premiers ennemis, mais c'est vrai qu'il n'a rien fait pendant 5 ans qu'il était là. Alors, est-ce que tu penses, dans un mois, quelques mois qu'il reste, pour les élections 2017, qui sans aucun doute va se présenter, est-ce que tu ne penses pas que ça serait un sujet pour évoquer et apprécier un peu vraiment, surtout que tu sais, c'est les banquiers qui ont créé un candidat en face de lui. Le candidat des banques en face de Hollande, de son clan, de son club, de son parti politique. Alors, c'est-à-dire, c'est le banque, c'est le finance qui parle, qui gouverne dans le monde. Et pour la plupart des problèmes de société aussi, ça vient de finances, de pétrodollar, moi je disais, depuis 1990, en même temps que j'ai inventé le mot islam politique, et sur cette antenne, on a parlé aussi de pétrodollar, c'est-à-dire cette pétrodollar, personne ne peut pas le toucher, après on nous envoie sur les sujets qui n'est pas très important pour l'économie nationale ou internationale. Alors, à ton avis, comme un syndicaliste, tu viens de dire que tu étais élu aussi à l'époque, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire le think tank, les syndicats, les associations, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les politiques réagissent dans le bon chemin pour réparer cette précarité, cette pauvreté, cette misère qui, jour après jour, a grandi d'un côté, et les riches qui cumulent les salaires, l'argent, les réserves de l'argent, tout ça de l'autre côté, et surtout ça fait que par les banques. Alors, mais moi je crois en tant que républicain que d'abord qu'on doit se former et s'éduquer et poser les bonnes questions aux politiques. Il faut poser les bonnes questions aux politiques. On ne les pose pas actuellement. On ne les pose pas actuellement. On ne les pose pas. C'est ça la problématique, il faut leur poser les bonnes questions. Je suis désolé, par exemple, toi-même, depuis tout à l'heure, deux fois tu as cité Fillon pour le critiquer, qui demande, on va choisir entre lui, je pense sans aucun doute c'est Fillon qui va gagner, même je crois que sans aucun doute dans 2017, il aura un rôle assez important à jouer, Fillon. La seule chose qui était pour parler, c'est 39 heures ou 35 heures. On ne parle pas des points stratégiques, internationaux, économie nationale, internationale, et plein d'autres choses, surtout face aux extrémistes qui menacent, au intégrisme, au terrorisme qui menace la civilisation judéo-chrétienne, Rémi. Tout à fait. Alors, la problématique, c'est que la réelle politique nous rattrape. Parce que finalement, on vient d'ailleurs de voir, Fabius vient de sortir un livre sur la politique étrangère assez instructif, où il explique la position de son ministère et du gouvernement Hollande et de la présidence Hollande, qui est une position finalement juste, mais on n'est pas dans la réelle politique. Par contre, Fillon est aujourd'hui dans la réelle politique. Parce que qu'est-ce que dit Fillon? Ne laisse tomber, on ne parle pas de Fillon. Question, c'était ça. Finance, parce que non, on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas entrer dans cette polémique. Le finance, l'ennemi, premier ennemi de François Hollande, premier ennemi de peuple français, premier ennemi de peuple européen, international, national, n'importe où.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi on ne fait rien du tout? Ni les politiques, ni les syndicats, ni les associations de droits de l'homme et tout ça. C'est les banques, c'est les finances, c'est l'argent. Pourquoi on ne fait rien du tout? Parce que ceux qui peuvent décider, c'est la représentation nationale, c'est la représentation européenne. Et que lorsqu'il y a un débat au Parlement européen, eh bien effectivement, certains sont inféodés par le monde politico-financier, tout simplement, parce qu'ils contrôlent certaines sphères de pouvoir et qu'ils ont aussi des intérêts, y compris dans des conflits géostratégiques qui ne doivent pas être évacués aussi vite que tu l'indiques, puisqu'il y a les ressources pétrolières, il y a les ressources financières, il y a le Brexit, il y a plein de choses où certains tirent les ficelles. Alors je ne suis pas pour la théorie du complot, mais le monde politico-financier, effectivement, s'extrait complètement des règles démocratiques, mais parce que les citoyens doivent intervenir de plus en plus, je le répète, pour poser les bonnes questions. Et je pense que la géostratégie et la politique étrangère est très importante sur cette question financière, parce qu'on ne pourra pas réglementer la finance en partant du seul territoire national. C'est impossible. La solution, elle est au niveau de l'Union européenne. Elle est donc ramener un peu de l'éthique au niveau de la construction européenne, considérer que la finalité de la construction européenne, ce n'est pas que la sphère économique, ce n'est pas que la libre circulation des marchandises et des personnes, et donc il faut avoir une nouvelle éthique sur la construction européenne. Et le Brexit, justement, est l'occasion de réorienter la construction européenne contre la finance et au profit de l'humain, bien entendu. Ça nous donne une nouvelle possibilité. S'il y a aujourd'hui des citoyens qui se réfugient dans un vote contestataire et d'extrême droite, s'il y a des citoyens anglais qui ont estimé qu'ils devaient voter pour la sortie de l'Union européenne, il faut aussi savoir les écouter. Ce ne sont pas tous des abrutis. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont sincèrement d'extrême droite, mais il y a une bonne partie de la population qui ne l'est pas et qui vote en vote de refus, justement, parce que on commence par dire « mon ennemi, c'est la finance », et puis on finit par s'accommoder avec elle. Et donc, c'est peut-être contre un manque d'éthique politique qui a provoqué ce vote de refus. Quant à l'Union européenne, elle n'apporte pas aujourd'hui, sa construction doit être absolument réorientée, elle n'apporte pas satisfaction à de très nombreux citoyens européens. Ça semble une évidence. Bon, il y a eu le cas extraordinaire de l'accord avec le Canada, où on a réussi à introduire quelques lignes grâce au petit gouvernement wallon. Ben, ça, c'est un motif de satisfaction. Moi, je dis clairement que le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, doit être un véritable avertissement, mais un signe positif pour réorienter la construction européenne. Et j'y crois, et je pense que si on ne saisit pas cette occasion, eh bien effectivement, on peut voir la dislocation de l'Union européenne, alors qu'on voit poindre, évidemment, l'autoritarisme turc évoluer vers une certaine forme dictatoriale, avec une Russie qui n'est pas prête de changer, avec par contre des évolutions en termes de politique étrangère, notamment côté français, avec la Russie et la Syrie. Donc on est dans un monde très instable, et il faut absolument qu'on arrive à réguler la finance internationale. Mais pour ça, il faut une volonté politique. Et ce qu'on ne voit pas, c'est une ferme volonté politique pour réguler cette finance internationale. Alors, Brexit, à ton avis, tu viens de dire que c'est bien. C'est bien pour la communauté européenne ou c'est pour les Britanniques? Moi, je crois que ça peut être bien pour l'Union européenne. Parce que les Anglais sont entrés d'une certaine façon dans l'Union européenne. Je n'ai jamais été gaulliste, mais De Gaulle avait une certaine vision de l'Europe qui était une vision politique aussi de l'Europe. Et donc, le Royaume-Uni est rentré avec la vision commerciale très typique anglo-saxonne qu'est la sienne, et qui ne correspond pas, en général, à la vision française, qui est une vision empirique, politique, la construction d'un ensemble politique, justement, que doit être demain l'Union européenne. Donc, nous, une partie des Français, nous ne voulons pas, et une partie des Européens ne veulent pas que l'Europe soit qu'une surface d'échange économique. Par contre,
à titre personnel, je suis persuadé que le Royaume-Uni, ce grand pays, a toujours voulu considérer l'Union européenne que comme une surface d'échange économique, et certainement pas politique. Qu'il quitte l'Union européenne, soit j'en prends acte, mais je pense que ça doit permettre aussi à ceux qui ne veulent pas faire évoluer les traités européens vers plus de social, vers plus d'humain, vers plus d'environnemental, vers plus de règles par rapport aux produits chimiques, par rapport à l'alimentation, par rapport au respect de l'autre, je crois que c'est un échec pour ceux qui n'ont pas voulu faire évoluer l'Europe dans le sens de l'Europe des peuples, et non pas dans, quand je dis l'Europe des peuples, pas dans un sens nationaliste tel que c'est développé par l'extrême droite, mais l'Europe de l'internationalisme, des peuples, des États-nations qui continueront d'exister dans le cadre d'une fédération, certainement, mais pas dans un magma destiné à être une vulgaire surface d'échange économique, même si je sais, comme vous tous, que le commerce est une des conditions de la paix. Mais le commerce n'est pas l'unique condition de la paix sociale et civile en Europe. Il faut aller au-delà du commerce, et il faut aller dans le social, il faut aller dans l'environnemental, il faut faire attention à notre planète, il faut faire attention à ce que nous donnons comme éducation aux enfants, il faut faire attention aux valeurs que nous entendons inculquer. Ça va bien au-delà des échanges de biens et de services. Et Barroso a longtemps symbolisé cela. Vous savez qu'il y a deux stratégies de croissance très différentes. La stratégie qui était menée par Jacques Delors, alors président de la Commission, qui considérait évidemment que chaque Européen devait être détenteur d'un emploi, mais un emploi avec un certain volume, une certaine qualité de formation. Et il y a la deuxième stratégie de Lisbonne, de M. Barroso, qui considérait que tout le monde devait avoir un emploi, quelle que soit la qualité d'emploi, y compris si c'était un emploi façon working poor américain, c'est-à-dire qui ne vous donne pas de quoi vous nourrir et vivre dignement. Donc je crois qu'il y a deux philosophies là qui se sont un petit peu affrontées. Malheureusement, Barroso est venu en second et a donc rejoint Goldman et Sachs, comme je le disais un instant, ce qui prouve le manque d'éthique et la vraie capacité au cynisme d'une partie de la banque internationale qui n'a pas de frontières et qui n'a pas de principe, si ce n'est ceux des profits. Alors, pour répondre aux questions posées, Rémi, nous sommes avec Rémi Offray, syndicaliste. Et vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM, mes chers amis. Et bien sûr, sur l'Internet, vous pouvez nous regarder partout dans le monde, surtout avec vos téléphones portables et smartphones. En tapant ici maintenant.com, vous pouvez nous écouter et nous regarder. Même si vous êtes dans la voiture ou à la maison, je ne sais pas où, à l'hôtel, vous êtes en train de travailler avec votre portable, il suffit de taper ici maintenant.com. Et vous pouvez nous regarder et écouter. Voilà. Toujours, ce n'est pas seulement ce soir-là, toujours, radio ici maintenant, vous savez, c'était un des radios, un premier radio qui était allé sur l'Internet dans les années 90. Nous sommes avec, encore je répète, Rémi Offray, syndicaliste. Alors, Rémi, on va revenir pendant quelques minutes encore qui reste avec nous sur le sujet des syndicats. Alors, on a parlé au départ de notre émission, beaucoup de manifestations, ça ne donne rien de temps en temps. De temps en temps, ça ne donne rien, surtout en France. Et de temps en temps, ça donne. De temps en temps, mais c'est très rare, il faut être honnête. Et surtout en France, c'est-à-dire dans certains d'autres pays, avant de faire des manifestations, tu vas voir que les responsables changent les lois, les projets, c'est retiré, patati patata. Mais malheureusement, en France, de temps en temps, malgré des manifestations énormes, ne passe rien. Alors, pourquoi ça? Pourquoi? Surtout Nuit Debout, ça n'a rien donné, et beaucoup d'autres choses. Ça, c'est pourquoi? C'est difficile. Le phénomène Nuit Debout, je le perçois comme une réaction citoyenne intéressante, mais qui n'a pas été structurée, mais sa volonté, même du mouvement, n'était pas d'être... très structuré d'ailleurs, donc c'est un mouvement contestataire citoyen, respectable comme d'autres, mais il y a différentes façons de s'exprimer dans la société, mais Nuit Debout n'a pas été inutile, tout comme on a certainement
certainement de nouvelles formes d'intervention à créer au niveau des citoyens, au niveau des syndicats. Maintenant, l'histoire n'est pas finie. Il y a des manifestations qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Il faut garder espoir. Moi, je suis un syndicaliste résolument optimiste et combatif. Si j'ai des moments de doute, eh bien, je suis comme Pierre Desproges. La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute, parce que je pense qu'il faut se confronter au réel, mais qu'il faut aussi penser le progrès du futur. Il faut avoir un idéal, avoir même plusieurs idéaux, et les défendre avec fermeté, mais basé sur l'argumentation, les confronter à la réalité pour savoir ce qui peut être possible ici et maintenant, et voilà. Ce qui est possible ici et demain. Et oui, donc, reste avec nous. Et donc, dans ces conditions, je pense que nous avons quand même de l'espoir, même si aujourd'hui, c'est vrai que 40 ans après, je dirais 40 ans après la fin de la peine de mort, 45 ans après le droit à l'IVG, quand on entend des personnes oser demander le rétablissement de la peine capitale, comme en Turquie, Bachir, comme en France, eh bien, oui ça fait bonjour. Mal. Bonjour, nous sommes avec M. Rémi Offray, syndicaliste. Oui, on vous entend bien. Ah, d'accord. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, bon, par rapport à les nouvelles solutions, par rapport à la société, bon, je pense qu'il y a un nouveau pratisme à avoir, c'est-à-dire que par rapport à, bon, justement, le phénomène de rémunération, par rapport au le revenu universel, par exemple, ce serait de faire en sorte que le citoyen, qu'il y ait un nouveau... mentalité de trouver que dans la société qu'il trouve un rôle, de trouver un rôle social, c'est-à-dire chacun de nous avons des particularités, nous sommes plus ou moins efficaces dans tel ou tel domaine, chacun de par rapport à ce qu'il est ce qu'il aime le plus. Bien sûr, il peut y avoir des changements pour éviter des saturations de rôle, mais de trouver un rôle social, même s'il peut changer au cours de la vie, mais qui permettrait justement de sortir du contexte de l'excuse, enfin de celui qui veut pas travailler ou pas ou quoi que ce soit. Donc il y a des nouvelles philosophies sociales, c'est-à-dire d'une nouvelle manière de concevoir la société, sortir de cette société industrielle qui impose un système de machinerie infernale, de fonderie, de mettre les gens dans des fourneaux, dans des trucs comme ça, plus de un système de vivre dans une harmonie en liaison directe avec la nature, de développer justement le paysage naturel, de développer les systèmes, de sortir de cette usine infernale pour retrouver la vie en plein air, où les gens auraient un rôle beaucoup plus pour s'épanouir. Et c'est cette vision-là qu'il faut mettre en avant, sortir de cette vision de la concurrence par rapport à l'argent qui détruit tout, quoi, qui n'a pas de rôle vital pour la Terre, qui a un rôle simplement d'une minorité qui veut imposer sa manière de voir le monde. Donc, et à ce niveau-là, bien sûr, il y a tout un travail d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, bon, les gens sont au supermarché, ils vont acheter des kilos et des kilos de pommes toxiques. Il y a une mauvaise information. Il y en a beaucoup qui sont mal informés, qui ne savent pas que ça existe. Ils continuent à acheter les trucs avec les OGM, il y a un gros travail à faire, un travail humain, c'est le travail. Les politiques
eux veulent résoudre les problèmes sur des statistiques, sur des chiffres et tout, alors que le vrai travail, c'est un travail relationnel, c'est un travail d'éducation, c'est un travail, c'est ça le vrai travail, le vrai rôle politique. Le politique, ça veut dire cité, c'est la cité. Donc c'est un travail de d'améliorer la cité, le vivre de la cité. Oui, Bachir, oui. Restez avec nous, Bachir. Une question ou non? Pas encore. Parce que Rémi, il a tout noté. Tout ce que tu viens de dire, il a noté. Il doit te répondre. Mais oui. Si tu veux, je vais prendre Eric. Tu peux rester encore. Tu as des choses à nous dire. Puisque je vois que Rémi, il a tout noté. Pour ça, je vais profiter du temps de prendre Eric aussi. Après, voilà. Eric, bonjour. Bonjour David. Bonjour, ça va et vous? Ça va. Voilà, on est avec Rémi Offray, syndicaliste ce soir. Eric, on vous écoute. Oui, je suis syndicaliste aussi, je suis lutiste, je ne suis pas lutiste. Ouais. Mais je voulais juste répondre à ta question, à toi, enfin à ton affirmation comme quoi que les manifestations n'ont pas trop bien fonctionné. Oui, Eric, merci. Voilà. J'ai assisté aux manifestations pour les retraites. J'ai mis tout ce que je pouvais y mettre de moi. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, on est parti en vacances. Tout est fantastique. Mmh. On arrête tous les camarades, on part en vacances. Bon. Après, il y a eu la loi El Khomri. Ouais. La loi El Khomri, bon, je me suis fait molester par les flics. Mmh. On arrête tous les camarades, on part en vacances. Ah ben oui, dans ces conditions-là, elles peuvent louper les manifs. Mmh. Voilà. Le triste constat, ça fait 40 ans que je suis syndiqué à la CGT. Je continuerai encore jusqu'à ma mort à être syndiqué à la CGT. Parce que je trouve que, pour le moment encore, hein, tant qu'ils défendront une certaine idéologie syndicaliste, j'y resterai. Mais on ne me refera pas une troisième fois le coup, camarade, on part en vacances. Mmh. Là, ça va aller très mal. C'est vrai, de temps en temps aussi. Eric, tu as tout à fait raison. Quand on va passer quelque chose, on voit qu'il y a beaucoup de contestations. On le passe au mois de juillet ou août. C'est vrai, ça, tu as tout à fait raison. Ouais. Si on a quelque on nous envoie aux vacances et après, ça y est. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Oui. D'autant plus que j'ai eu honte, parce que bon, c'est vrai qu'on a eu raison, on a eu raison, mais après j'ai eu honte. On a refusé d'être solidaire avec les gens qui avaient les pieds dans l'eau. Mmh. Et je pense qu'on avait raison. Mmh. Mais après, quand on part en vacances, là j'avais honte. Mmh. Et ça fait 40 ans que je suis milité. Je suis militant. Tu es militant ou tu étais parmi les dirigeants aussi? Pardon ? Tu étais parmi les dirigeants ou seulement le militant ? Ah non, je suis militant. Non, dans le rôle de dirigeant, je ne suis pas bien. Alors, parce que Rémi, il va te répondre, puisque Rémi, il est parmi les dirigeants. Oui. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Oui. Je ne maîtrise pas mon langage assez facilement. Lorsque j'avais des responsabilités et que les employeurs m'ont dit l'entreprise va mal, je leur ai dit, mais vous savez, moi, l'entreprise en bas, ça fonctionne très bien. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous descendez de nous le dire. Si vous n'êtes pas capable de trouver du boulot, bah, je vous le dis, vous êtes des incapables. Mes autres camarades m'ont dit, mais c'est pas comme ça qu'on négocie. Mmh. Voilà. Donc, bah, c'est ça, et puis bon, bah, bientôt, que ce soit l'un ou l'autre, hein, ils peuvent s'appeler comme ils veulent et appartenir à n'importe quel bord. Là, la suite, ça va être les retraites à 65 ans. On va voir comment les gens vont réagir. Mmh. Ils vont partir en vacances. Mmh. Si on n'a rien à défendre, en fait, si on est content s'il n'y a que les vacances, le foot et la canette de bière avec la télé-réalité. Alors, c'est pas la peine de parler de syndicalisme, c'est pas la peine de descendre dans la rue. Par contre, si on a quelque chose à défendre, on va jusqu'au bout. Mmh. On a mal, évidemment. Hein. On est plus, on peut pas assister à son match de foot, on peut pas boire un verre de bière avec son copain.
puis les vacances, bah, non seulement on n'a pas le temps d'y aller, mais en plus de ça, quand on était dans la rue, bah, on travaillait pas, et puis là, il n'y a pas d'argent pour partir. Hein. Ça, c'est la réalité, alors. Bon, c'était... J'ai plutôt l'impression, puisque le camarade qui est à côté de toi, c'est un CDTiste, j'ai plutôt l'impression que c'était un bras de fer entre la CGT et la CFDT, mais c'était rien contre la loi El Khomri, tous les deux étaient contents. Et ils étaient contents de voir la retraite se casser. Bon, c'est tout, c'est le seul constat. Et le problème, c'est que ces syndicats-là, mon syndicat entre autres, auquel je tiens, comme à la prunelle de mes yeux, hein, ces syndicats, ils ont mené leur bataille dans la rue à nos détriments. Mmh. Voilà. David, si je me permets de te tutoyer, c'est parce que... Bien sûr, bien sûr. Ah, oui, bien sûr, avec plaisir, pas de problème. On est très voisins. Ouais. À radio ou ailleurs ? On se connaît depuis plusieurs millénaires, c'est pour ça que je te tutoie. Ah, d'accord, merci. Ouais. D'accord. C'est tout ce que j'avais à dire, David. Je n'ai pas l'habitude d'appeler. Non, c'était très intéressant ton témoignage. C'était très intéressant. Comment ? Voilà. C'était très intéressant ce que tu viens de nous dire. Quand on va mettre dans les pattes des pauvres et des travailleurs, voilà, c'est vacances. On nous envoie en vacances, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. Et tu m'as répondu, enfin, la question que j'ai posée à Rémi, tu m'as bien répondu. Je te remercie, Eric. À bientôt, David. Merci, Eric. Au revoir. Alors, avant d'aller voir Rémi, Bachir, tu as d'autres choses à rajouter concernant le propos de Eric, ou peut-être Rémi, il va nous répondre. Rémi, alors, puisque je ne sais pas quand j'ai dit syndicaliste, vous le comprenez, Rémi Offray, il est parmi des dirigeants de syndicats, mais je ne veux pas dire quel syndicat, puisque je ne veux pas faire de publicité pour n'importe quel syndicat, mais la qualité que cet ami est là et que depuis des années je le connais, c'est une qualité très humaine, très laïque, et voilà, il est très humaniste. Mais c'est vrai, cette loi... Khomri, est-ce que c'est bien? Toi, comme un syndicaliste, qu'est-ce que tu en penses? Mais, bon, moi, on pourrait faire un long débat sur la loi El Khomri, parce que la loi El Khomri, elle a des points positifs et elle a des points moins positifs. Mais la loi El Khomri, elle a été changée, d'ailleurs. Le projet de loi a quand même pas mal évolué. Au départ, cette loi, finalement... C'était... Est-ce que tu as participé dans cet projet ou non ? Alors non, pas directement. J'ai suivi dans la presse et dans les informations syndicales simplement, mais d'accord. Je n'ai pas du tout été partie prenante de ce débat, si ce n'est en tant que syndicaliste de base et citoyen comme toi et comme tout le monde. Simplement, ce que j'ai pu observer, c'est que la présentation du projet de loi a été lamentable, dans la mesure que dans le premier projet de loi comportait, en fin de compte, c'était un peu de loi Macron avec un peu de loi du travail. Au départ, c'était beaucoup de loi Macron, c'est-à-dire beaucoup de loi libérale. Jacques Attali en plus, parce que Macron, c'est que personne ne le sait pas, tout ce que Macron il propose en grande partie, ce sont des propositions Attali. En grande partie. Sarkozy dans son clé au respect de l'époque. Voilà, mais il y a eu des propositions extrêmement libérales au départ qui ont été corrigées parce que plusieurs confédérations sont intervenues, dont la CGT, dont la CFDT, pour modifier quand même certaines parts. Il y a eu cette imbécilité qui considérait à mettre des plafonds sur les indemnités de licenciement, alors que tout juge pourra vous dire qu'on met un certain niveau d'indemnité de licenciement en tenant compte de la réalité économique de l'entreprise. Je connais peu de juges prud'homaux. J'ai été moi-même vice-président suppléant et président suppléant de la section commerce du conseil des prud'hommes à Clermont-Ferrand il y a des années, et j'ai toujours jugé en droit et non pas en représentant syndical, parce que les conseillers prud'homaux jugent en droit avant tout, et donc évidemment nous étions amenés à relativiser certaines indemnités, si certains montants d'indemnités pouvaient remettre en cause la vie de l'entreprise, c'est une évidence. Mais de là mettre un plafond, c'était ridiculement méprisant à l'endroit des salariés de mettre un plafond, par exemple, sur les indemnités de licenciement, et c'était purement scandaleux. Donc il y avait des éléments qui étaient directement inspirés de Bercy, de l'historique professionnel de M. Macron, qui n'a jamais
été très progressiste, en tout cas au niveau économique, et vous comprendrez dans quel sens je l'indique. Alors après, cette loi, elle a évolué. Pour moi, il y a des points positifs, comme par exemple la demande par les syndicats de faire un référendum d'entreprise. Moi, je trouve particulièrement logique qu'on demande à tous les salariés leur point de vue. Si l'organisation ou les organisations majoritaires dans l'entreprise, représentant plus de 50% des élections professionnelles, demandent un référendum pour questionner les salariés, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, très moderniste. Alors il y en a qui refusent ça parce qu'ils considèrent toujours que le syndicat doit être l'instrument d'une confédération, d'une fédération, d'un parti politique ou autre chose. Mais à un moment donné, il faut aussi que le représentant syndical, le syndicat, s'affrontent à certaines réalités du terrain. Une majorité des salariés, après tout, les salariés ont aussi leur mot à dire sur certains accords, et c'est pas plus mal dans certains cas qu'on fasse appel à un référendum d'entreprise. Ça a été un point d'achoppement, un point de rupture, un point très grande divergence entre la CGT et la CFDT, par exemple. Bon, eh bien, c'est dommage. Mais c'est vrai que la présentation du projet a été très mauvaise, très malmenée. Et puis, il y a une partie d'indications qui donnaient des très mauvais signes aux salariés, qui ont été corrigés partiellement ensuite pour arriver à la loi actuelle. Maintenant, je voulais en revenir à ce que disait Bachir tout à l'heure. Oui, oui. Être un être social... Moi, j'ai une définition un peu rapide de l'individu, l'être social que nous sommes tous. Je pense que nous naissons seuls, nous mourrons seuls, et qu'entre la naissance et la mort, il y a la vie sociale, il y a la société humaine. Et que dans ce cadre-là, nous sommes tous des êtres sociaux à partir du moment où on naît, juste avant de mourir. Donc évidemment, il faut trouver sa place dans la société. Qu'est-ce qui peut me choquer aujourd'hui ? Eh bien, je ressens aussi ce que dit Bachir. Je pense que nous sommes une société où on voit les limites du consumérisme. C'est-à-dire qu'un être humain, une femme, un homme, ce n'est pas qu'un consommateur. Et donc, on arrive à une période de notre histoire où peut-être on doit tirer des enseignements. Notre histoire moderne, nous ne sommes pas... que des consommateurs, bien au contraire, on doit aller au-delà de la consommation. C'est pour cela qu'on doit se rapprocher de la protection de l'environnement, de la tolérance mutuelle, du respect des autres, qu'on doit aussi proclamer la laïcité, parce que la laïcité, elle se pense d'abord par rapport à celui qui pense différemment de vous. Et c'est pour ça aussi que les expressions politiques et religieuses dans le service public, dans les entreprises publiques, sont à proscrire. Parce que moi, je ne me situe pas dans un modèle anglo-saxon, devoir être reçu dans un guichet de gare, dans une poste avec une kippa ou un foulard. Oui, ça me gêne, parce que non pas parce que je n'aime ni les kippas ni les foulards, mais parce que je pense que ça peut gêner d'autres personnes et que c'est regrettable, et que la laïcité, c'est le respect de tous, notamment lorsqu'on travaille pour une entreprise publique et dans le service public. Et là aussi, la laïcité, elle est menacée par des extrémistes religieux de toute religion. Elle est menacée par des extrémistes qui veulent prendre le contrôle de la société humaine au-delà de la règle démocratique, d'un homme une voix, d'une femme une voix, et du respect de l'autre. Et donc, oui, on est aussi humain au-delà de la consommation. On doit être humain pour peut-être retrouver le temps de la vie, c'est-à-dire manger bien, manger mieux, réglementer la chimie, réglementer les médicaments, réglementer la nourriture. Là, l'Europe, elle peut faire beaucoup, parce que dans le cadre de l'hygiène alimentaire, elle doit faire des choses, l'Union européenne, on peut faire des choses. La directive REACH sur les produits chimiques devait aller plus loin, mais les lobbies sont intervenus pour... On a des produits aujourd'hui qui peuvent blesser durablement les enfants dans leur chair, et on l'interdit pas pour des histoires de profits financiers. Oui, ça me choque, oui, ça me donne la nausée, ça. Et donc, il faut retrouver le temps. Il faut se battre pour l'essentiel. C'est vrai que, on dit faut faire attention à la politique, mais bon, quand même, merde.
Aujourd'hui, il y a un, deux candidats qui nous proposent une augmentation de 2 points de la TVA, mais la TVA, c'est l'impôt le plus injuste qui existe. Certains croient que c'est un impôt juste, mais le pauvre qui achète son steak haché, il va payer 2 points de plus de TVA, mais celui qui est très riche, il n'en a rien à faire, 2 points de plus de TVA. Il a déjà mis son argent aux îles Caïmans, donc moi ça me choque de proposer plus de 2% de points de TVA, ça me choque. De dire aux gens, ils vont travailler jusqu'à 65 ans, ça me choque. Ça me choque parce que les gens, ils n'ont pas travaillé de la même façon, il faut reconnaître la pénibilité. Ça me choque aussi de dire que les gens devront travailler plus longtemps sans être payés plus. Oui, ça me choque. Ça me choque parce que le travail gratuit, ben, c'est le Moyen-Âge. C'est avant qu'on ait le code du travail, avant qu'on ait les conventions collectives. C'était avant 36, c'était même avant 1895. C'était avant la création de l'Organisation internationale du travail. Oui, ça me choque de demander aux gens de travailler gratuitement. Et ça, c'est pas de la politique, c'est des propositions des hommes politiques, mais qui sont un peu en déconnexion avec la vraie vie et qui méprisent. Oui, ça me choque quand on pose des questions sur l'interruption volontaire de grossesse et qu'on me dit que ça risque d'être menacé. Oui, ça me choque. Alors, quand, surtout concernant les élections, Rémi, toi qui pendant des années, tu étais un des dirigeants des syndicats, tu représentais plusieurs milliers de travailleurs, voilà, on va le dire. Il y a beaucoup de votes blancs dans toutes les élections. Ces votes blancs, comment c'est calculé? Alors aujourd'hui, les votes blancs sont considérés comme votes nuls. C'est-à-dire qu'ils sont complètement évacués du scrutin. Là aussi, j'en veux beaucoup au président Hollande de pas avoir fait cette grande réforme qui devait être la prise en compte du vote blanc. Je m'explique, c'est très important pour une démocratie moderne. Parce que si nous comptions les votes blancs dans les votes valablement exprimés, ça signifierait qu'au deuxième tour, si on a une élection à 2 tours, que ce soit pour une députation, pour un maire, pour en tout cas pour une élection municipale par exemple, si au deuxième tour vous n'atteindez pas 50% des exprimés comptant les votes blancs, eh bien ça veut dire que vous n'êtes pas élu. Et ça reposerait la question, le vote blanc serait considéré enfin comme un vote valablement exprimé contre une partie de la classe politique. Ça veut dire que les personnes qui se présentent ne nous conviennent pas et qu'il faut qu'on en présente d'autres à la place. Ça serait quelque chose de profondément républicain. Donc moi, je suis choqué qu'on n'ait pas mené cette réforme, parce que je pense que c'est une réforme de fond, mais je crains que le prochain président de la République, malheureusement, ne veuille pas l'entreprendre, justement parce que ça va le déranger personnellement, lui et peut-être ses supporters et son parti. Mais la reconnaissance du vote blanc, à partir du moment où le citoyen met un bulletin blanc, c'est qu'il sanctionne les deux candidats éventuels au deuxième tour qu'on lui propose. Et ça veut donc dire qu'on doit se reposer la question, est-ce que les partis ou est-ce que les primaires proposent les bons candidats? Et ça, c'est important. Parce que quand certains disent, moi je ne suis pas un professionnel de la politique, il y en a un, il est élu depuis l'âge de 27 ans, ça fait 30 ans qu'il est dans la politique, il vit que de ça, on se moque du monde. Donc c'est pour ça aussi que le cumul des mandats doit être interdit. C'est pour ça qu'on doit considérer qu'il faut maintenir la règle du cumul des mandats. Ça, c'est une chose importante. Pour éviter que des gens s'accrochent, pour éviter qu'on fasse du clientélisme, pour éviter qu'on méprise les citoyens quelque part. C'est bien sûr, on peut faire 2 mandats successifs, mais pourquoi aller au-delà? Pourquoi aller au-delà? Pour être transformé comme les gens qu'on a aujourd'hui qui osent se présenter aux élections. Mais quelle honte. Quelle honte. Alors, on a parlé sur certains sujets qui, je crois, c'est très intéressant, surtout pour le travailleur, qui n'est pas dans le programme de tous les candidats de toute façon. Les banques, finances et vote blanc que tu viens d'en parler. C'est très intéressant. Alors, pourquoi les syndicats, à part les droits de travailleurs, ne font pas des propositions comme ces deux sujets qu'on vient d'en parler, surtout qu'ils sont très forts. Et de temps en temps aussi, on voit, Rémi, que les syndicats sont piégés par par la force de pétrodollars. Certaines manifestations, certaines grèves, certains empêchements de la société à avancer, ce sont des pièges préparés par les forces économiques mondiales, nationales, internationales, que je ne vais pas entrer là-dedans puisqu'on arrive aux dernières minutes de nos émissions. Mais ça, vous êtes est-ce qu'au courant que de temps en temps vous êtes piégé, vous syndicats? Non, mais bien entendu, mais
le sujet, le syndicat doit rester un syndicat. C'est-à-dire que dans les syndicats, on regroupe des salariés d'opinions politiques différentes. Donc, même moi, je ne veux pas qu'on dise le nom de mon syndicat, mais bon, je suis engagé dans un parti politique et je ne l'ai pas dit, je ne souhaite pas le dire, pas parce que je ne suis pas fier de mon appartenance, mais parce qu'après, on a un préjugé. Et être syndicaliste, c'est pouvoir défendre des salariés et des chômeurs et des retraités qui pensent politiquement peut-être différemment de vous. Et le syndicat n'a pas vocation à faire les lois à la place des parlementaires. Il a un rôle dans la société, il doit jouer pleinement son rôle dans la société. Mais bien entendu que les syndicats, le mien comme d'autres, sont conscients qu'on affronte des forces économiques extrêmement puissantes. Mais nous rappelons, l'histoire n'est pas finie. Nous ne sommes pas en train de perdre la bataille. Nous perdons des batailles, mais nous ne perdons pas de guerre. Bien sûr que la tâche est difficile, mais il faut être sûr de sa propre détermination et surtout bien juger par rapport à la situation actuelle, vérifier que nos revendications s'inscrivent bien dans la société et dessiner des prospectives pour le progrès social. Il faut qu'on continue de dessiner des prospectives, montrer les dangers, montrer aux salariés et plus largement à tous les citoyens quels sont les dangers de non-respect de la laïcité, de non-respect du contrat de travail, qu'est-ce qui risque de se produire, qu'est-ce qui se passe quand on augmente de 2 points la TVA, des choses très précises pour comprendre quelle société on veut nous fabriquer, quelle société certains politiques veulent nous fabriquer. Donc ça, il faut l'expliquer aux citoyens. Mais nous ne sommes pas, le syndicalisme ne doit pas être un parti politique. C'est bien sûr, c'est une formidable force qui a un objet politique, mais ce n'est pas un parti politique dans le sens de politicien du terme. Et je crois que demain, il y aura un autre gouvernement. Tous les syndicats de France devront négocier, soit des accords interprofessionnels, et toujours avec le MEDEF, et toujours avec le gouvernement. Et il nous faudra négocier. Nous ne serons certainement pas toujours d'accord, loin de là, mais il faudra négocier. Nous n'avons pas à prendre un parti politique, à prendre parti pour un gouvernement ou pour un autre. Par contre, nous avons le grand devoir de dire quels sont les dangers, quelles sont les forces et faiblesses de certaines propositions. Ça, c'est important. Ça, c'est notre rôle. C'est essentiel. Rémi Auffray. Nous sommes avec Rémi Auffray, syndicaliste. Voilà, ce soir. On arrive presque quelques minutes. On va terminer notre émission de ce soir. Rémi, est-ce qu'il y a les manipulations non-français dans la création et continuation des syndicats français? C'est-à-dire? Est-ce que il y a des fonds non-français, non national, qui est arrivé déjà dans les caisses alors, des syndicats, qui soit au moment de la création, qui oui, soit au moment alors, de fonctionnement, etc., etc. Alors, plus maintenant, parce que maintenant... Mais non, alors, je ne parle pas de maintenant. Est-ce qu'il y avait dedans ou non? De toute manière, tout le monde sait qu'au sortir de la guerre, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale... Non, même pas après la guerre. Dans les années 80 et 90, 70, jusqu'à... Après 70, est-ce qu'il y avait l'argent étranger? Je ne pense pas. Alors, dans les années 90, c'était sorti dans les médias et c'était prouvé aussi que les Américains, ils avaient financé un des syndicats français. Uniquement, alors, c'est une espèce de vraie fausse légende urbaine. Oui. Je répète, à la sortie de la guerre, donc à partir des années 44-45... Oui. On va dire qu'il y a deux branches. La CGT s'est séparée, oui, entre la CGT maintenue et la CGT force ouvrière. Et il est évident qu'il y a eu des fonds du plan Marshall qui ont aussi servi à soutenir indirectement la création de la CGT force ouvrière. Voilà, exact. Par contre, il faut savoir aussi que la CGT, dite maintenue à l'époque, en 48, a reçu le soutien de l'Union soviétique. Et on ne peut pas douter que la CGT maintenue sous contrôle du Parti communiste français était largement alimentée par Moscou. Donc ça va pour l'un, ça va pour l'autre. Effectivement, c'était le contexte de la guerre froide. Et donc l'argent de certains pays a sans doute irrigué à la fois... la CGT devenue sous contrôle du Parti communiste français, qui était donc un féodé à Moscou,
Quant à la CGT Force Ouvrière, dans le cadre du plan Marshall, a reçu des fonds tout à fait officiels, d'ailleurs, pour son démarrage. Mais ça, c'est très important. Une réalité. C'est très important. C'est démarrer réalité. Un grand mais comme, syndicat. Comme de nombreux syndicats européens, ouais, ont reçu d'argent du plan Marshall. Oui, même, tu sais que les Américains, ce sont eux qui ont créé le Parti communiste italien. Le Parti communiste italien s'était créé, financé dès le départ par CIA, après quand on a posé William Colby. À l'époque, c'était William Colby, patron de CIA. Quand on a posé la question pourquoi vous avez financé le Parti communiste, c'est Oriana Fallaci qui avait interviewé William Colby. Colby, il a dit, écoutez, je vois que vous avez les documents sur votre bureau, c'est vrai, mais c'est nous qui avons financé le Parti communiste, puisque de toute façon, un Parti communiste devait exister en Italie, au lieu qu'il soit financé par l'Union soviétique, c'est nous qui l'avons financé. Le ficelle, c'est à la main des Italiens. C'est ça que la réponse que tout à l'heure Eric il a essayé de nous donner, que pour la plupart des. Parce que les travailleurs pensent comme ça. Même pour la plupart des dirigeants non haut placés et des syndicats, ils pensent que de temps en temps, parce qu'Eric il nous a dit clairement, quand on fait des manifestations, on fait des grèves, mais à la fin, on nous envoie en vacances et. Tout est oublié. C'est-à-dire, le politique, il arrive toujours, qu'il soit politique nationale, internationale ou européenne, de jouer leur volonté contre la précarité, la pauvreté, les travailleurs dans tout ce mouvement-là, malheureusement, qui ne sont pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire, Rémi, qu'ils ne sont pas très intelligents politiquement. Parce que diplomatie et politique et être au courant de mouvements politiques internationaux et nationaux, ça nous aide partout, non ? Oui, mais si tu veux, le fait qu'ils partent en vacances, ça n'a strictement... Non, ça c'est une expression qu'il a dit. Oui, oui, c'est-à-dire, ça n'a strictement aucun lien avec des fonds étrangers. C'est que les syndicats, mais comme les partis politiques, comme l'administration, comme certaines associations, nous avons parfois des fonctionnements d'apparatchik, à savoir que les leaders syndicaux veulent aussi partir en vacances, tout le monde veut partir en vacances et les gens partent en vacances. Alors ça semble un peu ridicule. Dans le contexte de mobilisation de certains, bon, la CGT a été jusqu'au bout avec Sud sur cette protestation sur le projet de loi El Khomri. À un moment donné, certains ont dit, bon, ben, ça y est, on arrête, on part en vacances, mais il n'y a pas d'influence externe, ni à la CGT, ni à d'autres syndicats. C'est, je crois, un fonctionnement d'apparatchik qui peut être connu dans plein d'autres organisations syndicales, qui n'est pas symptomatique de ces organisations-là et qui peut toucher toutes les organisations syndicales. Bon, mais ça n'a pas de lien direct avec des financements. Je crois que... voilà. Rémi Offray, je te remercie beaucoup d'être avec nous ce soir pendant 3 heures. Merci beaucoup, tu es venu de très loin pour être avec nous. C'était très riche ton intervention. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Dernier mot avant de nous dire au revoir. Vive la République. Vive la République et la laïcité. Et la laïcité, bien sûr. Merci Rémi, au revoir. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbé.